Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième masterclass FFE. Donc, je suis avec Marc Kénéen. Bonjour Marc. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Donc, la première question, c'est les retours par rapport au son, au micro, hein. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien ou si des petits ajustements à faire. Exact, on sait que le son c'est toujours un peu délicat et d'une fois sur l'autre, eh bien. Tous les réglages de micro, etc., ne sont pas forcément restés exactement identiques. Donc, à nous de nous dire si vous nous entendez bien. On sait aussi que parfois dans les diffusions, dans les clubs, eh bien, ça dépend de la sortie son. Hein, ça dépend. On nous a dit à un moment de parler fort pour nous faire entendre dans les clubs. Donc, voilà, on essaye de. Alors que Titus Blinus nous dit que le son est impeccable et Serge Beurier nous dit bonsoir, c'est bien, mais il faut penser aux joueurs d'un niveau inférieur à 1190. D'ailleurs, je viens de finir l'écriture d'un livre pour les objectifs 1200 Evo parce que ça paraît pas beaucoup comme ça, mais c'est pas évident d'y arriver. Donc, je sais ce que j'ai. J'ai beaucoup d'élèves qui essayent d'y arriver, surtout classés FIDE, hein, c'est pas si évident que ça. C'est un premier classement intéressant. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y aura de la théorie avec Sylvain, mais également pas mal d'exercices. On va vous faire réfléchir et chercher des coups. Mais c'est vrai que les joueurs les moins forts peuvent être aiguillés par les joueurs les plus forts dans leur recherche de coups, soit au club. Mais il y aura pas mal d'exercices. Voilà, donc c'est vrai que ce qui n'est pas évident, c'est qu'on essaye à chaque fois de faire en sorte qu'il y ait de la matière pour un peu tous les niveaux, disons entre 1000 et 2000 élos, principalement. Et on essaye de donner un peu de matière des fois pour les joueurs un peu plus forts aussi en fin de chapitre. Mais bien sûr, ce n'est pas tâche facile, donc on fait de notre mieux, mais tous vos retours sont les bienvenus par rapport à ça. Donc effectivement, Alors que Marc parlait. l'échiquier Castrem nous dit que mon son n'est pas terrible, ça résonne beaucoup. Donc, si c'est le cas pour une autre personne, j'essaierai de faire une petite amélioration. J'ai une petite idée. Ouais, alors je peux aussi, parce que là j'ai boosté un peu le micro de Marc, je peux un peu le réduire. Je sais pas d'où viendrait cette résonance. Là j'essaie de le réduire un peu. Mais moi, je vais chercher un petit quelque chose, Sylvain. Juste une minute. D'accord, ok. Je vais enlever ta webcam pour l'instant, du coup. Hop, voilà. Donc à l'écran, donc on va pas tarder à débuter le premier chapitre. Hein. Mais à l'écran, la liste des clubs qui avaient participé jusqu'à présent. Donc n'hésitez pas à vous manifester sur le chat, donc à mettre le nom de votre club. Que l'on salue Adrien, Le Pion Ardent, Cassis Échec. Voilà, donc tous les joueurs Cassidins qui nous passent le bonjour. Philippe, Alexandre, le club d'échecs d'Alfort. Non. Pas Alfort, c'est Altorf. Autant pour moi. On nous dit que le son est bon. Alors moi, je vais tester encore, voilà, mon son. Donc je parle un petit peu pour faire un test et on va voir si l'échiquier castré, c'est bon pour eux. Y en a qui disent que c'était tout simplement ta voix normale. Sympa. Ils sont parfaits pour nous, nous dit Arnaud Paralieu. Donc ça. Bah ça, c'était avant que tu arrives. Mais D'accord. on va voir. Enfin, il peut-être faisait peut-être allusion à tout à l'heure aussi. Est-ce Bon, voilà, que tout le monde tu entend bien Marc? vois. Toute façon, vous nous redirez. Alors, on peut déjà leur expliquer les thèmes avant que tu les dis pendant mon absence d'une minute. Non, j'ai pas dit les thèmes, tu peux y aller. Alors, nous allons commencer par un thème intéressant. Vous allez pouvoir chercher pas mal de positions. C'est un thème sur l'abandon prématuré. C'est-à-dire qu'on va vous montrer tout un tas de positions où le maître ou le grand maître a abandonné alors qu'il était soit gagnant, soit il pouvait avoir le match nul. Donc, cas d'abandon prématuré, il n'a pas vu un coup qui sauvait la position. Et on va vous faire réfléchir comme ça sur tout un tas de positions. Puis Sylvain va nous présenter un peu de théorie sur l'italienne des trois cavaliers, je crois, avec la montée du cavalier en G5 et l'attaque du pion F7, et toutes les possibilités défensives des noirs. Donc ça passera par la traxler comme par la réaction avec D5. Et puis enfin, en troisième partie, on travaillera des idées de forteresse. Alors pareil, vous aurez plusieurs positions
où il faudra trouver une forteresse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forteresse en finale? C'est une position dans laquelle vous avez un désavantage matériel, mais où vous pouvez construire une position dans laquelle l'adversaire ne peut pas évoluer, ne peut pas concrétiser son avantage matériel. Donc, vous arrivez à bloquer le jeu avec parfois une pièce en moins ou alors une pièce beaucoup moins forte que celle de l'adversaire. Voilà le programme de ce soir. Donc, on est heureux de vous retrouver pour bien commencer l'année 2019. S'il y en a qui veulent déjà noter la date de la prochaine qui aura lieu au mois de février, vous pouvez déjà noter, ce sera le 8 février, donc dans 3 semaines. Donc, sachant qu'il y a une zone qui est en vacances le 9, donc on voulait pas se mettre dans une zone de vacances parce qu'il y a pas mal de clubs qui ferment leurs portes pendant les vacances scolaires. Donc ça aurait été un peu dommage. Donc est-ce que... Ah oui, j'ai pas remis ta vidéo. Bonne remarque. Merci. N'hésitez pas à nous donner les remarques. Voilà. Le retour de Marc. Et donc au niveau des clubs, hein, si jamais vous êtes un club participant et que vous n'êtes pas dans cette liste, voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour vous manifester sur le chat. Et puis on va débuter. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir effectivement tout au long de la masterclass d'une durée de 2 heures pour vos remarques ou si on fait une erreur à l'écran ou dans les positions. N'hésitez pas à faire des remarques et à poser des questions. Ok, c'est parti. Hop. Donc on commence avec ce premier chapitre sur le thème de l'abandon précoce. Ouais, j'ai ouvert un double. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Tac, tac, tac. Et c'est bon. Donc, Marc, tu as sélectionné une première partie entre le joueur Carlos Thor et Frank Parker. Oui, tout à fait. Donc, le maître mexicain Thor est assez connu. Il est entré dans la postérité pour deux raisons. D'abord, il a laissé son ouverture à une célèbre ouverture, c'est l'attaque Thor. Et puis, il a rendu également célèbre le thème tactique du moulinet. Alors, après avoir sacrifié sa dame lors d'une partie contre l'ancien champion du monde Emmanuel Lasker en 1925 à Moscou, voilà, il a fait connaître le thème du moulinet. Toute la planète échec. Une partie très spectaculaire, Oui. voilà, que vous pouvez retrouver donc, en 1925 à Moscou contre Lasker. Alors pour ce premier exemple, on va aller à la position après le 29e coup des blancs, donc roi D1, et les noirs ont joué tour C5. Voilà. Donc les noirs ici jouent tour C5. On a compris la menace tour C1 suivi de la dame. Et donc le grand maître Thor, qui était un des meilleurs joueurs de l'époque, ne sait pas comment bloquer cette position. Alors il faut à noter qu'il joue en simultané. Oui, quand Il même. joue contre un amateur, Frank Parker. Et puis Ça aurait sans bien. doute pas été la même histoire si ça avait été une partie de tournoi. Hein. Partie Oui, même si lente. on va avoir des abandons prématurés, même dans les parties tournois. Exact. Donc voilà, il ne sait pas comment désactiver cette menace et abandonne. Il abandonne dans une position gagnante. Effectivement, les blancs peuvent gagner cette position. Alors, à vous de réfléchir et d'essayer de trouver un petit peu le coup Voilà, à spectaculaire. vous de jouer. Donc effectivement, comme le disait Marc tout à l'heure, ce soir, un peu plus d'exercice pour vous. Vous allez être mis un peu plus à contribution. Donc, alors qu'on nous signale que le club de Chaumont, Chess 2000, participe. Donc on les salue. Et puis on salue aussi le club de la Plaine du Rhin. Alors notez d'ailleurs que Titus Blinus qui est... un de nos fidèles participants. Je me demande d'ailleurs si c'est un rapport avec le joueur qui nous a écrit, dont on parlera. On va mettre en ligne, d'ailleurs, bah, j'en parle pendant que j'y pense, même si j'avais noté. On mettra bientôt en ligne
des bases complémentaires, une base de données complémentaires, puisqu'on a un participant des masterclass qui a fait un travail assez extraordinaire, puisqu'il a saisi nos paroles sur les Mais bases. oui, c'est bien dit. Voilà. C'est bien dit, confirme. Donc imaginez le temps que ça lui a pris. Voilà. Et en plus, il a cherché des exemples supplémentaires dans les thèmes qu'on avait traités. Donc on salue Thierry Blin, qui a fait ce travail, et on mettra ce travail en ligne ce week-end. Voilà, il a fait ça sur les trois premières masterclass de l'année 2018. Alors que Voilà. le bon coup a été trouvé donc par de nombreux joueurs, de nombreux clubs, c'est bien tour décisif. Bien joué, bravo à vous. Alors, deux idées en fait avec ce coup. En fait, ce coup peut être interprété selon deux idées, un sacrifice de déviation et un sacrifice d'obstruction. Cela dépend en fait comment les noirs vont reprendre. Si les noirs reprennent du pion C, alors c'est un sacrifice d'obstruction puisque le pion vient bloquer finalement la défense de la tour D8 sur le pion D2. Et donc la menace tour C1 échec n'existe plus puisqu'on pourrait tout simplement prendre le pion en D2. Et les blancs, ils ont certes une tour en moins, mais les deux pions passés liés à l'aile roi sont gagnants. Les blancs, il leur suffit de jouer F7 et les noirs ne peuvent plus bloquer ces deux pions passés liés. De toute façon, les tours sont très maladroites pour bloquer des pions passés liés déjà sur la sixième rangée. Alors sur la septième rangée, c'est impossible. Il est vrai qu'on pourrait essayer encore de jouer ça, mais les blancs auraient au moins deux façons de gagner ici, hein. Soit Peut-être faire F8. la dame du côté où la tour ne défend pas, voilà, ou réutiliser le thème de l'interception pour ensuite faire une dame tranquillement. Voilà, donc tour D6, il ne peut pas prendre du pion. Et s'il reprend de la tour, alors cette fois-ci, c'est le thème du sacrifice de déviation. L'idée est de dévier la tour noire de la défense de la huitième rangée. Et donc, les blancs peuvent faire dame sur échec. Donc, j'évite dame échec, roi D7. Alors, il faut encore faire attention parce que les noirs ont toujours cette menace tour C1. Donc, il ne faut pas lâcher l'initiative. Donc, les blancs jouent dame prend H7, échec. Donc l'initiative d'échec, c'est la capacité de jouer, de menacer l'adversaire et d'imposer son propre tempo. Donc le roi vient en C6, toujours avec la menace tour C1, mais on lâche pas. Dame E4 échec, roi B6, dame B4 échec, on lâche toujours pas, roi C6. Et là, on peut laisser les internautes réfléchir également au prochain coup. Comment continuer avec les blancs dans cette position? Il y a toujours la menace tour C1. Voilà, on a une dame, mais on n'est pas encore sorti du pétrin. Alors que le bon coup commence à arriver sur le chat. Effectivement, il faut donc passer par le sacrifice de dame. Donc, dame prend C5 échec, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc, roi prend. Maintenant, il n'y a plus de menace chez les noirs et les blancs peuvent s'envoler à promotion. Ils peuvent jouer F7. Et la tour noire est bien incapable d'arrêter ce pion. Donc sur tour F6, on fait dame. Enfin, la tour noire l'arrête, mais c'est au prix de sa propre vie, bien sûr. Après prise coup prend, les blancs vont gagner avec leur foutu et leur pion passé lié à l'aile Voilà, roi. à noter qu'on pouvait également venir clouer la tour et on avait une finale gagnante également. Voilà, donc bien sûr, on aura pu continuer les analyses hein, sur différentes variantes. Par exemple, ici, les noirs pouvaient peut-être repartir en D7, mais voilà, on sent que les blancs avaient des solutions à chaque fois au problème et qu'ils étaient complètement gagnants. Voilà pour ce premier exemple, donc effectivement, situation où les blancs ont cru qu'ils n'avaient aucune solution contre tour C1 échec et il existait cette solution complètement cachée de tour D6. Très joli coup qui était manqué par Thor. On passe à la suite. Merci. Alors c'est Djula Sax contre Smeshkal, partie Alors là, 4-0. c'est deux grands maîtres hein, qui ont joué Exactement. dans une partie longue, une partie réelle.
C'est une position assez spectaculaire. On va aller directement au 41e coup blanc. Donc, les blancs viennent de jouer G3. Alors, pourquoi ils ont joué G3? Tout simplement, la dame B8 faisait échec à leur roi. Donc, ils jouent G3. Et le grand maître Smeshkal, bien qu'il ait une tour de plus, il ne sait pas comment faire face aux différentes menaces blanches. C'est vrai que les blancs ont des menaces terribles, hein. Ils ont plusieurs sortes de menaces de mat, une menace dame G7 mat, dame prend H6 mat, et même la promotion du pion en E8, puisque la dame G6 défend. Donc, les menaces sont mortelles, et c'est vrai qu'après G3, on se dit que sur un échec, le roi pourrait se cacher en H3, et les menaces blanches l'emportent après. Et donc, le grand maître Saxe, Smishka. Le grand maître Smeshkal, pardon, abandonne dans cette position. Il abandonne. Les noirs abandonnent, voilà. Ouais, les noirs abandonnent, mais C'est il y avait dommage. c'est dommage. C'est dommage. Donc il y avait quelque chose à faire. On va vous laisser chercher. Allez, à vous de jouer. Donc les noirs sauvent la partie. Le club de Saint-Brieuc est très en forme. Apparemment, ils ont du chouchen. Ah. Alors que je salue Baptiste ainsi que Stéphane. Alors par contre là, il va falloir donner un peu plus qu'un seul coup. Donc Oui, si il vous faut donner pouvez une idée. essayer de donner la variante ou l'idée. Voilà. Effectivement, Adrien et Emmanuel ont donné un coup plausible. Oui, tour des deux échecs a été donné. Bien sûr, après tour des deux échecs, on ne va pas aller sur la première rangée parce qu'on va se faire mater. Donc, le roi se cache en H3. Alors que la variante a été donnée en premier par Adrien Revel, Thierry Paris semble l'avoir également, Échiquier Castré parle de Zugzwang, c'est pas tout à fait ça. Ça va pas être tout à fait le bon terme. C'est vrai que c'est une Ouais. sorte de 12 ans, mais on peut carrément pas jouer, quoi. Alors, on parle de sacrifice en G3. Oui, alors il y a eu Dame prend G3, j'ai vu passer, ainsi que Tour prend G3 à l'instant. Donc c'est des propositions également. Et il y a plusieurs internautes qui ont proposé Tour H2. Voilà, donc on peut peut-être maintenant donner l'idée. De toute façon, la variante a été donnée par Adrien Voilà, Revel. donc l'idée c'est que les pions noirs sont bloqués ainsi que le roi noir. Ouais. Donc tout ce beau monde est bloqué et donc ça peut nous donner l'idée d'un thème de pate. Thème de pate qui fait partie des ressources défensives importantes aux échecs, Marc. Voilà, donc les noirs doivent parvenir à se délester de tout leur matériel, de leurs deux tours et de leur dame. Et c'est ce qu'ils peuvent arriver à faire. Alors faut le Donc. faire de la bonne façon parce que voilà, il suffit pas de se dire. Je vais me débarrasser de mes pièces. On a vu quelqu'un qui proposait tour G3 échec, malheureusement. Tour prend G3 échec, malheureusement. Après tour prend. Eh bien, échec, on peut continuer. Mais le problème, c'est que, par exemple, si on fait dame prend, en se disant, bon, je me débarrasse. Bon, bah, bien sûr, la dame va reprendre. Et on va libérer la case pour le roi noir. Et donc, bien sûr, après, c'est ma tente de coup. Voilà, il faut, lorsqu'on redonne le matériel dans une situation de passe, lorsqu'on recherche la situation de passe, il ne faut pas libérer les cases. Voilà, C'est pas se ça que faire. l'adversaire fait, il libère lorsqu'on reprend, on libère les cases. Oui, d'habitude, aux échecs, on aime bien se faire libérer, mais quand on cherche le pat, c'est le contraire. Allez, donc ici, il y a eu tour H2 échec joué. Pas joué d'ailleurs, puisqu'il a abandonné. Il aurait pu jouer cette idée. Donc, roi prend obligatoire. Et ensuite, on a le choix.
Par contre, Il faut aller donner un échec sur la deuxième rangée. Alors, on peut commencer par la dame ou la tour. Ça, voilà, c'est. bon, disons on la tour, donc à chaque fois, il ne peut pas descendre sur la première rangée puisqu'il est échec et mat. Hein. Ouais, mais je préférerais donner la dame en premier pour avoir un peu le thème de la tour folle aussi. Ah, on peut montrer, ouais, c'est intéressant. Alors, disons que la variante avec la tour, c'est la plus sûre, puisqu'effectivement, sur roi H3, tour H2 échec, il est obligé de prendre, on amène la dame. Et puis, bon, ben là, il n'y a pas de longue variante, hein, on termine la partie immédiatement avec dame G2, il est obligé de nous prendre, et on a un joli tableau de pattes. Donc, pas de problème. Bon, bien sûr, s'il fait roi H3, on fait la même idée. Dame H2 échec, roi prend, et c'est pattes. Par contre, effectivement, Marc, si on commence par la dame, donc le roi se cache, Donc, dame H2, roi on prend. Et sacrifie. maintenant, on va avoir le thème de la tour folle. Alors, tour A2 échec, on ne va pas aller en H3 parce que sur tour H2, on sera obligé de prendre cette tour. Donc, on va plutôt aller en H1, par exemple. Et après, tour H2 échec, on a ce fameux thème de la tour folle. Alors, la tour folle, c'est quoi? Ben, c'est la tour qui va sans arrêt harceler le roi pour se faire attraper. Parce que le roi, donc, il va aller en G1. Mais tour G2 échec. Et la tour ne va jamais lâcher le roi, toujours en l'harcelant, comme ça, sur toute la deuxième rangée. Et puis, bah, l'échec perpétuel est assuré. On ne peut pas, bien sûr, évoluer avec les blancs, donc ça sera match nul. Donc c'est un thème voilà, classique, mais il faut faire attention, par exemple si le pion était enfin s'il y avait la dame qui pouvait surveiller cette case, eh bien un peu comme tout à l'heure, il aurait fallu se méfier d'un coup comme ça, bon bien que peut-être dans cette situation, vu qu'elle surveillait toujours H7, ça aurait rien changé, mais voilà. Il faut faire attention par exemple à pas faire un coup comme tour D1 et on commence à remonter parce qu'il pourrait y avoir une situation à un moment donné où les blancs pourraient enlever le pat. Typiquement, si le pion peut prendre un moment, hein. Donc je sais pas, on peut montrer un exemple un peu comme ça. Voilà, donc la tour folle, c'est pas quelque chose de magique, il faut vérifier si ça marche à chaque fois. Donc si on fait comme ça, le pion prend et on libère le pion, et donc il n'y a plus pat évidemment, et donc maintenant il y a mat. Voilà, on fait attention. Mais évidemment, dans la variante qu'on a montrée, la tour, si elle reste sur la deuxième rangée, il n'y aura jamais une montée du roi blanc. Voilà pour cette. Alors, Smeshka a dû se manger les doigts Eh parce ben, que j'imagine que oui. Je suppose parce que que quelqu'un lui a signalé, peut-être son adversaire. parce que un tel pat en sacrifiant toutes ses pièces lourdes, la dame et les deux tours, c'est quand même une très belle ressource. Ça aurait fait le tour de la planète échiquéenne. Et c'est vrai qu'on en aurait entendu parler. Il a Voilà. loupé. Bah là, on en parle parce qu'il l'a raté, quoi. Voilà. Allez, on continue. Alors là, c'est différent. Donc c'est une partie qui est jouée à Reykjavik. Bon, Reykjavik est une ville connue pour avoir hébergé le match du siècle entre Bobby Fischer et Boris Spassky en 1972. Oui, Et il y a un très bel Open à Reykjavik, encore de nos jours d'ailleurs. on connaîtrait beaucoup moins cette ville pour les joueurs Oui, d'échecs. je pense. Au niveau des échecs. Ce serait différent. Et donc, c'est une partie entre deux joueurs. Bah, vous avez les classements, hein, vous voyez à l'écran, à chaque fois l'en-tête est mise à jour. Donc, entre deux joueurs, 2200 et 2400 pratiquement pour les noirs. C'est déjà une force assez respectable. Voilà, alors Donc, les noirs ont apparemment fait un sacrifice de dame pour atteindre cette position. On va pas regarder comment. Vous aurez la partie en entier si vous voulez voir comment ils sont arrivés là. Et il joue fou D4 échecs. voilà, et le grand maître, le grand maître, non, il n'est pas grand maître, lui, le joueur Jonathan Bénédicte, bien il abandonne. C'est vrai que ce coup fou des quatre échecs laisse peu d'espoir. Voilà. Pourtant, il ne fallait pas abandonner. Donc une grande part, on le verra dans le récapitulatif, hein, parce qu'à chaque fois on fait un récapitulatif des chapitres, une grande part de pourquoi ces joueurs ont abandonné trop tôt, c'est parce qu'ils n'y ont pas assez cru. Donc on sait qu'aux échecs, croire dans ses possibilités, c'est très important pour bien jouer, en fait. Et pour trouver des coups, qui peuvent être complètement inattendus aussi. Oui, puis c'est vrai que quand on subit un enchaînement combinatoire et qu'on se retrouve dans une position qui ponctue cet enchaînement combinatoire, on a tendance à se dire c'est fichu, c'est foutu. L'adversaire, il a calculé, il a combiné, on ne voit pas de défense. Et pourtant, le jeu d'échecs recèle
beaucoup de ressources défensives. J'en ai été d'ailleurs victime ouvert une partie que j'ai jouée récemment il y a 2 semaines. On la travaillera dans quelques exercices où l'adversaire a également un coup totalement inattendu, enfin que moi j'attendais pas en tout cas, en partie rapide. Donc c'est vrai que le jeu d'échecs a de multiples ressources quand même. Voilà, alors que la réponse a été trouvée par plusieurs internautes, bravo à vous. Voilà, c'est vrai que l'échec, eh bien, si on bouge le roi, c'est terminé, il prend la tour et c'est mat. Si on joue tour F2, il y a promotion du pion en tour ou en dame et c'est mat. Donc finalement, il faut jouer le troisième coup légal, je ne crois pas qu'on en ait d'autres, c'est cavalier E3. Voilà, donc effectivement, si on met la tour, on est échec et mat immédiatement. Donc pareil C'est si on délicat. décale le roi. Donc Et c'était c'est bien vrai que. cavalier E3. Alors par contre faites attention, parce qu'après fou prend E3 échec. Et il y a certains joueurs qui ont proposé tour F2. Avec l'idée E1 dame, la dame revient. Il peut avoir l'impression d'être sécurisé, mais on se fait mater en deux coups. Après fou prend F2 échec. Notre dame peut pas prendre et clouer et on est mat. Donc méfiance, hein. Il faut jouer précisément. Alors que Voilà. JMC nous dit terrible l'abandon ici. Et donc toute l'idée, eh bien, c'était de décaler tout simplement le roi. Et d'un seul coup, le cavalier C4, comme il n'est plus là, ça libère la diagonale A6 F1 et la dame vient protéger juste à temps in extremis la tour F1. Voilà, protection par rayon X, hein, donc c'est aussi pour ça que c'est un peu plus dur à voir. À travers, on protège à travers. Donc c'est peu spécial, et le joueur a eu une sorte de bah, d'aveuglement hein, par rapport à ça apparemment, et donc bah, alors que bien sûr après pion prend dame prend il était complètement gagnant hein. Ouais, alors il est gagnant avec les pions passés à l'aile dame. On verra d'ailleurs dans le dernier thème de ce soir, l'idée de la forteresse. C'est vrai que s'il n'y avait pas ces deux pions passés liés, ce serait encore à Ouais, il y aurait démontrer. du travail, ouais. Le gain serait encore à démontrer. Voilà, parce qu'on imagine un coup comme. Ah, bien que fou G5 y ait encore dame G3. Peut-être fou C5, ce sera un coup dans ce cas-là. Et puis sur fou G5, il y aurait peut-être aussi dame D8. Enfin, Ah en vérité, non, en c'est fait, encore pardon. complexe, hein, parce qu'il y a des. Bon, je crois que à cause du couloir, ça va. Ça irait peut-être pour les blancs. Mais là, on n'est plus dans le sujet. Oui, il y a les deux pions passés à l'aile dame, donc c'est fichu. Alors, comme dit Titus, il n'y avait que 3 coups à calculer. Donc, c'est vrai qu'il aurait pu faire un petit effort de regarder bah, ses coups légaux et voir si jamais il y avait une différence entre les coups. Oui, il s'est dit après cavalier E3, Ça c'est change du rien, cavalier, il s'est dit ça voilà, change rien. je donne Bah, mon cavalier, quelle est la différence? Donc c'est en 1986. On poursuit avec une partie entre Von Pipiel et Georg Marco. Georg, que tu dis? Moi, j'aurais dit Georges. Ah ben ça dépend, ouais. À la française, Georges, effectivement. Donc, Alors, Georges. Georges Marco, pour la petite anecdote, donc il a les noirs. Il fut le président de l'Association internationale des maîtres. C'est une association qui précéda la création de la FIDE. Il dirigea également une revue d'échecs pendant de nombreuses années. Donc, on va aller à la position. Du 36e coup, c'est ça? Voilà, les blancs ont joué tour D1. Voilà, et donc cette partie s'est jouée à Monte-Carlo en 1902, donc elle n'est pas récente. Et Georges Marco, avec les noirs, eh bien, il abandonne parce que le fou D4 est attaqué. Il voit qu'il y a le clouage sur la colonne D, donc la tour D7 en défense derrière. Donc il n'y croit plus. Il n'y Il croit dit, je plus. perds une pièce sans compensation. Voilà, abandon. Et c'est bien dommage. Petit manque de pugnacité. Effectivement, c'est un classique ici. Donc les noirs jouent. Les noirs jouent et gagnent, carrément. C'est même pas les noirs jouent et sauvent la partie, là. Les noirs jouent et gagnent. Alors, on a nos habitués qui ont trouvé très très rapidement, mais on laisse chercher aussi les joueurs de club, puisqu'on nous a signalé tout à l'heure qu'il y avait même des joueurs à moins de 1200 points Elo dans le public. Il y a aussi beaucoup de jeunes dans les clubs Oui. d'échecs qui regardent cette vidéo soit en direct, soit en différé.
Donc, il faut leur laisser un petit peu de temps pour trouver l'idée, parce que l'idée tactique, un fort joueur va la trouver assez rapidement. Alors Mais après, effectivement, voilà, nous, quoi. on a les internautes qui disent que c'est classique. C'est vrai qu'on est en 2019. En 2019, c'est classique. Et comme le dit JMC, en 1902, c'était peut-être déjà beaucoup moins classique. Donc oui, même dans les clubs, c'est vrai que ceux qui trouvent tout de suite, bah, c'est plus sympa de ne pas donner la réponse tout de suite, puisque tous ceux qui veulent chercher dans la salle... Oui, ils peuvent aiguiller leurs jeunes ou leurs moins jeunes qui Donner sont des moins indices, expérimentés. peut-être. Oui. Voilà. Oui, montrer les vis-à-vis. Par exemple, ici, on peut expliquer, pour ceux qui cherchent encore, on peut expliquer que les noirs ont des atouts. Après tout, la tour des 7 est en danger, mais ce vis-à-vis, si le fou des 4 n'est pas là, c'est aussi la dame des 3 qui est en danger. Et puis, on peut expliquer que les noirs, malgré leurs problèmes, ils ont une pièce que les blancs n'ont pas. Ils ont un fou de case noire. Et quand on a une pièce que l'adversaire n'a pas, on essaie de créer des menaces avec cette pièce. Donc, un feu de case noire, eh bien, ça crée du jeu sur les cases noires. Donc, il faut essayer de voir ce que l'on pourrait faire sur les cases noires, tout en profitant d'une découverte et du vis-à-vis de la tour des 7 sur la dame des 3. Et là, bon, je crois qu'on peut donner le coup maintenant. Voilà, bien joué. Donc effectivement, fou G1, il aurait pu jouer fou G1 avec une menace de mat et une menace de gain de dame. Voilà. Et les blancs n'avaient pas de solution satisfaisante contre ce coup. Peut-être dame H3 pour empêcher le mat, mais tour prend tour Et c'est avec calme. une nouvelle menace de mat. Voilà. Donc toujours chercher la dernière chance. En fait, on peut dire, hein, avant d'abandonner. Alors c'est vrai ce que nous dit Titus Benus, on peut reprendre sa phrase. Toujours un bon point, il nous dit sur le chat, un clouage non absolu, c'est-à-dire un clouage qui n'implique pas le roi, c'est aussi une découverte possible. Pour le joueur cloué. Voilà, Voilà, c'est-à-dire exactement. que c'est vrai que le fou des 4 est cloué dans le sens que s'il bouge, on peut attraper la tour des 7, mais s'il bouge, il met aussi en péril la dame des 3. Donc, quand il y a des vis-à-vis de pièces, c'est souvent dangereux pour la pièce qui subit le clouage, mais ça peut être aussi dangereux pour la pièce qui cloue. Donc ça dépend bien sûr quelle pièce est derrière, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a un clouage non absolu qu'il y a forcément une découverte possible. Hein. Si c'était un cavalier, il serait cloué, mais il n'y aurait pas de découverte. Hein. Donc voilà, ça dépend s'il y a un vis-à-vis, donc c'est bien cette notion de vis-à-vis qui peut créer le danger. Voilà. Allez, voici ta fameuse partie, Marc. Oui. Donc tu as Alors, joué en partie rapide bah, au mois de janvier. Hein. voilà, c'était un Grand Prix des Pyramides. Donc, intéressant pour moi, c'était un tournoi de partie rapide de 15 minutes plus 3 secondes. J'ai joué 3 grands maîtres, je crois, dans le tournoi, dont Laurent Freycinet. Bon, j'ai pas eu beaucoup de chance. Mais t'as quand même battu un des trois grands maîtres, ça c'est, Oui, on mais peut dire. bon, voilà. Donc, mais cette partie que je vous montre, je ne l'ai pas jouée contre un grand maître, pourtant elle a attiré énormément mon attention. Donc, j'ai les noirs, il y a eu un échange en C7 précédemment, et j'étais très heureux de faire cet échange en C7, puisque ça me permet d'enchaîner avec tour A8, j'obtiens la colonne ouverte, et bien sûr, je menace tour A1 avec des idées de mat très rapides. Donc j'étais très content. Et quelle fut la surprise pour moi lorsque le soir je reconstitue les parties et je les rentre sur ChessBase, de constater que le module d'analyse m'est égal, alors que je pensais être totalement gagnant. Ça m'a pas du tout traversé l'esprit que. Alors c'est vrai que mon adversaire n'a pas abandonné dans cette partie. Il a joué quand même un coup, mais Il a joué Roi F1, c'est ça? oui. Et puis il a dû abandonner très rapidement parce qu'après Roi F1 tour 1, on peut pas tenir la tête. Mais des adversaires auraient pu, alors il n'a pas abandonné aussi parce qu'on était en cadence rapide, donc il y a toujours l'espoir avec le temps, mais voilà, des joueurs auraient pu abandonner dans cette position, alors que ce n'est pas perdant pour les blancs. Allez, à vous de jouer. Que faire avec les blancs? Alors qu'on me dit que c'est une chance de jouer contre Freycinet, effectivement c'est une chance, mais quand j'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas eu beaucoup de chance, ce n'était pas le fait de jouer contre Laurent Freycinet. C'est le fait que j'ai pas eu beaucoup de chance dans la partie pour espérer l'emporter. Donc, son jeu était beaucoup trop fort, bien sûr.
Alors que tout le monde trouve le coup, et je vois que j'ai également quelques élèves à qui j'avais montré la position, donc ils n'ont pas eu de difficulté pour le trouver, mais ils ne l'ont pas marqué en premier. Voilà, Ah bien si. joué. Ben, on voit que vous êtes plus affûté maintenant pour trouver des ressources défensives. Puisque là, vous avez trouvé rapidement la solution. Donc, effectivement, on bloque la colonne. Et l'idée, sur tour prend, c'est de faire une double attaque avec la dame. On récupère. Et on se retrouve dans une finale 5 pions contre 5. Oui, et puis les blancs ont un pion passé en B3, donc je pense que le mieux pour les noirs, c'est de Prendre prendre la nulle, maintenant, ouais. prendre la nulle, Ah, parce ou alors que on tente la prise en C3, mais c'est vrai que c'est risqué aussi. c'est très risqué, parce qu'après dame Ouais. 1 échec, roi H2, dame prend C3, il va y avoir dame prend F7, voilà, et puis il faut que je fasse attention aussi à dame prend H5 échec, le roi retourne en Ouais. G8, dame 8, puis dame prend 6, par exemple si je prends le pion en B3 ici, le pion passé. Eh bien, après dame prend e6, c'est moi qui vais jouer pour Avec un pion de ne moins, pas perdre maintenant. ouais. Voilà. Ça. Voilà, donc une ressource défensive pour a7, j'y avais pas pensé. Mais en suivant cette masterclass maintenant, je serai plus vigilant. Allez, on passe à Wittmann Rodriguez. Donc, joué en 1980. En 1980, les Noirs ont joué H5, Oui. créant une menace de mat en G2. Alors, Je je sais pas prie pourquoi je dans tourne règle le de jeu. maths. Voilà, pardon, je remets du côté des blancs, désolé. Les blancs ont joué tour D3 échec. Les Voilà. noirs ont répondu B3. Et le maître australien qui avait les blancs a abandonné dans cette position. En fait, il s'est dit encore un échec. Et après, roi prend. Et On on ne voit. pourra pas me bloquer les différentes menaces de mat. Il n'y a pas que dame G2 mat, il y a dame H1 aussi. Et Oui. dame, oui, dame G2 et dame H1. Effectivement. Et puis, ben, il faut que la dame elle reste là, sinon il peut y avoir aussi dame G4 mat. Donc ça fait beaucoup. Donc sauf qu'après, tour prend B3, échec, roi prend A2, qu'il aura pu au moins jouer avant d'abandonner, d'ailleurs, comme ça il aura pu réexaminer cette position. Si celle-ci pensait que tour prend B3 était échec, échec était vraiment le seul coup. Et il aurait peut-être trouvé une ressource qu'on vous invite à chercher. On commence à sauver la partie avec les blancs, partie qui a l'air complètement perdue, effectivement. C'est déjà un peu plus difficile ici. Alors, dame A4, ça aurait été génial, ça a failli faire échec et mat, mais il y a dame prend A4 quand même. Alors, dame A4 puis tour A3. Ben, c'est une assez bonne idée, mais il y a roi prend A3. Par contre, il est sur le chemin de la bonne idée. Voilà, Il n'a ça pas le bon avance. coup, mais il a la bonne idée. Ça avance. Donc, bien sûr, c'est piégeux, hein. Alors, Si on se dit. Cadrien révèle a trouvé une nouvelle fois le bon enchaînement Voilà, bien entre joué. JMC, Titus Blinus, Adrien révèle. Il y a un autre joueur aussi, Thierry Paris. Ça se bat pour trouver en premier les bonnes réponses. Hein. Ouais. Voilà, donc effectivement, c'est tour à 3 échecs. Sacrifice de tour. Avec l'idée en tête de viser le pat sur roi prend. Bon, s'il ne prend pas, il se met en danger, hein, il peut. Oui, parce qu'il peut y avoir dame B5 échec et il faudra bien prendre cette tour, Voilà. sinon on risque de se faire mater même. C'est très dangereux. Donc, et toute l'idée, c'était ici de faire alors le bon coup pour se mettre en pat. Hein, donc, pour être pat, donc faut que le roi ne puisse pas bouger, mais il faut aussi que tous les pions, toutes les autres pièces puissent pas bouger. Donc là, on a le coup G4 qui est possible. Donc, il faut qu'on se débarrasse de cette possibilité. Et donc, pour cela, il faut qu'on sacrifie la dame sur D3. Car après, dame prend, elle cloue le pion. Et maintenant, on est vraiment pat. Voilà. Voilà, donc la ressource de pat qu'on retrouve, on l'avait vu tout à l'heure.
On la retrouve. Et on va conclure ce chapitre avec cette position assez incroyable. Donc une partie qui était jouée en Allemagne en 1920. Et on n'a même pas le, no le nom des noirs, en fait. Donc NN, c'est no name, hein. On n'a pas le nom. Pas de nom. Et alors donc il se trouve que les blancs ont sacrifié, viennent de sacrifier leur dame sur F6. Oui. Et il ne le sacrifie pas pour rien, parce qu'évidemment, il y a un thème de maths. Alors, il faut ici que les joueurs observent la présence des fous de couleur opposée. Et c'est vrai que lorsqu'on est en attaque avec des fous de couleur opposée, ça accroît les chances d'attaque, puisqu'on attaque avec une pièce que l'autre ne peut pas contrer. Le fou de case blanche ne pourra jamais être contré le jeu sur case noire. C'est ce qui va justifier ici le sacrifice de dame, parce qu'après, pion prend dame, il va s'enchaîner le très facile tour G3 échec, roi H8 et fou prend F6 mat. Je ne sais pas si tu m'entends, Sylvain. Oui. Oui, parce que je ne vois pas les coups défiler dans le. Non, j'étais en train de regarder Ah. le chat, désolé. Donc effectivement, surprise, les blancs ont prévu de faire échec et mat en deux coups. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont prévu, genre pion prend, et ils menacent bien sûr dame prend le 7 mat. Voilà. Ce qui est Donc le terrible. jeu sur les cases noires est vraiment terrible. Mais, enfin, les Noirs ont abandonné, alors qu'ils n'auraient pas dû. Voilà, donc là c'est vrai que les Noirs ont dû examiner la position, puis pas trouver de solution devant ces menaces. Et le coup est superbe, hein. Et il y avait quelque chose de quand même très joli à faire pour s'en sortir. Bien joué Stéphane. Alors, dame E1, c'est une idée pas mal. Parce que c'est vrai que s'il prend, on peut prendre la dame. Et on a une tour de plus. Mais le problème, c'est dame E1 échec, il va se mettre en H2. Et on va rester avec le même problème. On peut donner la dame contre le fou C3, mais Voilà. Au on n'a pas de pire, c'est place. vrai que déjà, on pouvait continuer la partie en sacrifiant comme ça. Et on joue avec tour et fou contre une dame, donc on a un peu d'espoir de rester en jeu, quoi. Voilà, ça méritait pas un abandon, quoi. Donc déjà, premièrement, on pouvait trouver ça. Mais il avait encore mieux. Oui. Allô? Oui, non, mais je regardais s'il y avait plusieurs bonnes réponses qui avaient été données. Oui. Il y en a Et trois donc ou quatre. le superbe coup, eh bien, pour contrer le jeu sur case noire des blancs, eh bien, les noirs peuvent aussi jouer sur case blanche. Et le superbe coup ici, c'est dame G4. C'est magnifique. La dame vient défendre G7. La dame menace dame G2 mat, hein, le propre jeu sur case blanche. Et si le pion prend en G4, alors maintenant on peut prendre la dame parce que le pion G4 obstrue le jeu, c'est un sacrifice d'obstruction, donc ça obstrue l'échec possible sur la colonne G, et donc les noirs restent avec une tour de plus. Voilà, ça nous fait penser à l'obstruction de la première position, avec le pion qui avait pris la tour également. Et on pouvait narguer un peu les blancs si on ne jouait pas dame G4 tout de suite. On avait une autre idée, c'était de jouer d'abord dame D1 échec. Là, Alors, effectivement, l'idée, non. c'est le sacrifice de déviation. Si la tour recule sur la première rangée, on pourra prendre la dame, en restant avec une tour de plus. Et puis, si le roi vient en H2, maintenant on joue dame G4. Alors, c'est Voilà, on toujours pouvait facile pour narguer l'adversaire. le faire dans l'autre sens, voilà. Effectivement. Voilà. Voilà, donc dame G4, un coup pas facile. Et donc, ça conclut ce chapitre donc sur l'abandon précoce, trop précoce. Donc, on a vu qu'il existe énormément de ressources aux échecs pour sauver des parties qui ont l'air complètement perdues, hein. Donc, le récap. Hop. Donc, par rapport à l'abandon précoce, je ne sais pas si précoce est le bon terme, si ce n'est pas prématuré qu'il faudrait. Ouais. Voilà. Le jeu comporte énormément de ressources. À vous d'essayer d'en trouver, même face aux plus grandes difficultés. Rappelez-vous la phrase d'Emmanuel Lasker, les échecs, c'est un combat. Un joueur gagnant peut avoir tendance à se relâcher et être moins précis. Essayez d'en profiter.
Et la citation de Tartakover, donc il faut la garder à l'esprit, on n'a jamais gagné une partie en abandonnant. Voilà. Donc surtout dans ces exemples, c'était Et d'ailleurs, particulièrement... je pense que Sylvain, tu as dû avoir le même cas que nous tous, on a dû tous passer par là. Dans certaines positions qu'on a jouées en tournoi au club, on a dû se dire parfois, est-ce que j'abandonne? Et puis, on a continué la partie et on l'a gagnée. Oui, c'est arrivé, je pense, à la plupart des joueurs, effectivement. Voilà. Donc, comme quoi, on peut En fait, encore. oui, là, c'est vrai qu'on a montré des exemples où il y avait un coup un peu spécial à trouver ou une idée spéciale à trouver qui vous permettait de retourner complètement la situation ou de sauver la partie. Mais il y a aussi, bien sûr, plein de cas, et ils sont majoritaires, où le fait de continuer dans une position qui a l'air complètement désespérée nous laisse encore des ressources avec des pièces sur le jeu, etc. Et effectivement, par rapport au troisième point de cet encart, sur le fait que le joueur qui est gagnant souvent se relâche. Et donc, il peut avoir tendance à laisser une ressource à l'adversaire. Oui, je me souviens d'une partie que j'avais jouée contre un joueur à 2000 Elo en partie rapide. Je la montre parfois à mes élèves. On est en finale de tour. J'ai un roi et une tour avec un roi sur la 8e rangée. Et l'adversaire a roi, tour et deux pions. Et je gagne cette partie. Je gagne cette partie parce que, tu sais, Sylvain, c'est un pion de colonne G. Donc, moi, j'ai mon roi en G8. Et c'est un pion de colonne G. Donc, c'est un pion en G6 pour les blancs. Et puis, le pion G, enfin, il y a deux pions G, c'est des pions doublés, hein. Il a une tour sur la 7e rangée, comme tour A7, quelque chose comme ça, un roi en H6. Et il va pousser le pion. On ne peut pas gagner dans cette position. Enfin, pas si facilement que ça. Il va pousser, il va jouer tour H7, puis pion G7 et tour H8. Mais en jouant tour H7, puis pion G7, il y a un échec sur la 6e rangée qui va Mais déconnecter perd sa tour. le roi et il perd sa tour. Bien Ouais, le sûr, pour classique. les joueurs les moins forts, ils n'ont absolument rien compris à ce que je viens de dire. Mais on pourra mettre, je rajouterai cette petite finale dans la base. Donc vous pourrez consulter cette position dans la base et vous verrez comment on peut gagner avec roi et tour contre roi, tour et deux pions sur un relâchement de l'adversaire. Allez, on passe sur le deuxième chapitre pour ce soir. Donc, chapitre, on y va. Tac, tac. Voilà. Je modifie ce titre. Donc c'est... Hop là. Allez, alors on a du travail, on a du pain sur la planche, puisqu'on va faire un petit travail théorique qu'on n'avait pas encore véritablement fait depuis le début de ces masterclass. C'est vrai qu'on a traité le thème de l'ouverture dans les deux premières. Je crois qu'on avait fait l'impasse dans la troisième pour traiter des milieux de jeu. Mais on l'avait traité sous un thème un peu plus général, avec des idées. Voilà. Et on n'avait pas forcément beaucoup parlé de théorie. Donc ce sera beaucoup plus le cas ce soir. C'est aussi la position qui le demande, puisque c'est une position qui est plus compliquée et où les coûts théoriques ont plus d'importance. On sait que selon les ouvertures, de connaître la théorie, ça peut être plus ou moins avantageux pour les joueurs. Il y a des positions qui sont assez calmes, où on peut jouer plein de bons coups, et connaître le coût de la théorie ne fait pas forcément une grande différence par rapport à la position. Et puis, à contrario, et c'est des positions qu'on va voir ce soir, il y a des positions beaucoup plus tranchantes où connaître la théorie peut faire une beaucoup plus grande différence. Voilà. Et je sais aussi que cette ouverture est une des préférées des joueurs qui commencent les échecs. Et même après, quand ça fait plusieurs années qu'on joue, on reste souvent assez intéressé et passionné par cette ouverture. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous montrer cette ouverture. Alors, par contre, c'est très riche, donc je vais essayer de ne pas aller trop loin dans la théorie, justement, parce que c'est un peu, on peut souvent se noyer hein, dans la théorie des ouvertures, tellement il y a de coups. Et donc, mon idée, c'est plutôt essayer de vous présenter de manière générale les possibilités des deux joueurs dans cette ouverture. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions,
moi-même, quand je fais un travail théorique comme ça, j'apprends plein de choses. Et avec vos retours, je sais que ça peut encore améliorer, eh bien, par exemple, cette base. Donc, il y aura peut-être des très bonnes remarques de votre part, et je pourrais les rajouter dans la base. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Donc, ce coup inaugure la partie italienne. Et ici, les noirs ont principalement deux coups. Cavalier F6, c'est le coup qui va nous intéresser ce soir. Et fou C5. Alors, fou C5, donc c'est bien sûr c'est un très bon coup et qui se débarrasse du coup cavalier G5, hein, puisque maintenant il y aurait la dame qui prendrait. Donc, déjà, si vous craignez le coup fou G5, eh bien je vous invite plutôt à vous tourner du côté de fou C5. Par contre, il faudra aussi être prêt au cas où au Gambit Evans, hein, le coup B4 ici, et aussi à des variantes tranchante avec C3, D4. Voilà. Tranchante ou moins tranchante, d'ailleurs, ça dépend comment les blancs veulent traiter la position. Mais donc, dans les deux cas, eh bien, c'est vrai qu'on a un peu de travail à faire avec les noirs pour pouvoir jouer contre la partie italienne. Donc, cavalier F6, c'est ce qu'on appelle la défense des deux cavaliers. Voilà. C'est très riche. Il y a énormément de possibilités. Notamment à ce coup-là pour les blancs, mais ce soir on va parler du coup cavalier G5. Bon, je vais juste citer rapidement que le coup le plus naturel ici pour les blancs c'est D3, on protège le pion, et puis on va rentrer dans des schémas très classiques de partie italienne, d'ailleurs la partie italienne qu'on voit assez régulièrement jouer entre les grands maîtres depuis quelques années. Petite remarque. Cavalier C3 qui est beaucoup joué dans les clubs, souvent par les joueurs qui jouent depuis pas très longtemps, se heurte au coup cavalier prend E4, coup stratégique très fort, donc avec la fourchette stratagème. Donc l'idée c'est cavalier prend E4, D5. Les noirs vont récupérer la pièce avec un pion dans le centre, les fous qui sont prêts à se développer. Donc un bon jeu pour les noirs. Pour compléter ce carrefour du quatrième coup, les blancs peuvent essayer de rentrer dans le gambit écossais avec pion D4. Voilà, l'idée sur pion prend de jouer soit le petit roque, soit le coup E5. Voilà, donc ben, là on a un petit aperçu des autres possibilités de la partie italienne. Mais ce soir on va s'intéresser à ce coup cavalier G5. Voilà, alors les blancs bien sûr attaquent immédiatement le point faible de la position noire. Le point faible, on sait que c'est le pion F, c'est le seul pion qui n'est protégé que par le roi. Donc, eh bien, les joueurs aiment bien attaquer ce pion début de partie. Souvent, d'ailleurs, quand on commence les échecs, on se dit, ben, je vais essayer de mettre mon adversaire en déroute, par exemple avec le mat du berger qui vise ce pion F, ou dans un deuxième temps, avec ce coup qui est déjà beaucoup plus raisonnable, de cavalier G5 qui veut faire la fourchette. On veut faire cavalier prend et faire une fourchette entre la dame et la tour. Voilà. Et les noirs, eh bien, doivent être prêts à répondre à ça, hein, parce que si c'est pas le cas, et c'est fréquemment le cas dans les tournois, par exemple les tournois scolaires, on voit souvent des déroutes côté noir en début de partie après ce coup, puisque si on se prend la fourchette, on perd tout de suite une tour, donc c'est très embêtant. Voilà. Alors, on va essayer de présenter les différentes possibilités des noirs. Bon, le coup le plus naturel, c'est D5. On s'oppose au fou, voilà, on bloque, donc on se défend, et on attaque en même temps, on ouvre pour le fou en C8, donc on veut se développer. Auquel cas, les blancs prennent du pion. Et ici, c'est un nouveau carrefour avec au moins 4 possibilités différentes pour les noirs. Donc on va y revenir. Ce sera la position principale qu'on va étudier. Mais avant, on va faire un petit détour. Vers une attaque assez incroyable, qui s'appelle la contre-attaque Traxler. Donc c'est fou C5. Alors je crois qu'elle a aussi un autre nom, qui s'appelle Wilkes Barnes, quelque chose comme ça, à vérifier. C'était un nom qui avait été donné, je crois, par Fine, qui ne savait pas qu'il y avait ce prêtre tchèque, qui s'appelait Karel Traxler, qui avait déjà développé cette ouverture à la fin du 19e siècle. Donc notamment, on a des parties de lui dans les années 1890, à cette époque-là.
Voilà, alors c'est à quoi? C'est frappant puisqu'on méprise la menace des Blancs. C'est-à-dire que les Blancs menaçaient leur fourchette et les Noirs ne se défendent pas et se développent. Donc c'est un coup très intéressant. En plus, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup étudié ce coup dans mes premières années d'échecs. J'avais passé beaucoup de temps à étudier ces variantes. À l'époque, les ordinateurs étaient beaucoup moins forts qu'aujourd'hui, donc ils étaient assez perdus pour évaluer correctement ces positions. C'était intéressant, on pouvait faire un peu des sortes de battles contre les ordinateurs. Et puis, ce qui est quand même assez fascinant, c'est que ce coup, alors selon les premières recherches que j'ai faites, parce que j'ai dû mettre à jour des travaux que j'avais faits parfois il y a 10 ou 15 ans, eh bien, ce coup semble encore assez jouable. Alors que j'ai vu un article où il y avait une dizaine de réfutations qui avaient été proposées. Enfin, il y avait plein de théoriciens qui avaient dit à des moments qu'ils avaient réfuté cette ouverture. Voilà, ils avaient trouvé comment gagner avec les blancs. Et apparemment, les noirs on conserve une position jouable dans à peu près tous les cas. Et puis c'est vrai que tu mentionnes la menace qu'avait pour f7, que les Noirs méprisent cette menace, mais il y a également fou prend f7, échec, qui gagne un pion en déroquant le roi noir, et même ça ne fait pas peur aux Noirs. Absolument, ouais, il laisse les deux possibilités aux blancs. Donc, on va commencer d'ailleurs par ce coup, fou prend f7, qui est plus modeste. Donc, c'est choix prudent, hein. C'est vrai que quand les blancs ne veulent pas s'embarquer dans des variantes trop compliquées, fou prend f7, c'est un bon choix. Roi e7, ici fou b3, bon, fou d5, c'est un autre coup très intéressant. Et tour f8. Sachant qu'il y a aussi le coup dame e8 qui peut être. Intéressant à jouer ici, mais tour f8 c'est le coup normal. Voilà, ça c'est la position principale de la position avec fou prend f7 échec. Donc les noirs sont en avance de développement, hein. Ils ont déjà développé 4 pièces. La tour est bien placée sur la colonne semi-ouverte et ils veulent bien sûr jouer d6, repousser le cavalier. Et si le cavalier vient sur f3, ils vont placer le fameux clouage avec fou g4. Qui pourrait se combiner avec bon, le fameux cavalier D4 qu'on connaît, mais aussi pourquoi pas une découverte du cavalier avec la tour qui fait pression sur F3. Et peut-être amener la dame avec dame 8 et dame G6 Et au-dessus. exactement, la dame passe souvent par E8, essaie de passer. Oups, ça fait un peu beaucoup de couleurs, mais on peut montrer le chemin de la dame qui essaye de venir sur l'aile roi. Voilà, donc il est vrai que si les blancs jouent avec un petit roque, eh bien ils peuvent subir une grosse pression, une Finalement, les grosse attaque. blancs, ils n'ont que le cavalier G5 pour défendre le roque, alors qu'on voit qu'il y a pratiquement 4-5 pièces noires qui peuvent se porter à l'assaut. Voilà, et les pièces blanches sont un peu de l'autre côté, effectivement. Voilà, donc j'ai pas développé la théorie à partir de là. Je voulais juste citer que c'était la position principale. Vous pouvez, si ça vous intéresse, approfondir cette position. Mais voilà, nous on a un temps quand même assez limité. C'est vrai qu'on aurait pu faire plusieurs heures hein, sur cette ouverture, mais on va essayer, dans le temps de 1 heure maximum, on va essayer de vous présenter un peu les différentes options. Donc ça, c'est vrai que les blancs ont un pion d'avance. C'est une sorte de gambit hein, finalement, c'est un peu comme un gambit. Alors on a un roi en e7, ça fait un peu bizarre, hein. C'est pas tout, dans toutes les ouvertures qu'on a un roi en e7, mais c'est assez difficile pour les blancs d'attaquer ce roi. Bien sûr, il y a des idées d'essayer d'ouvrir la position avec des c3, d4 pour atteindre le roi. Et si les blancs réussissent à faire ça, ils pourront peut-être trouver du jeu sur le roi. Mais de manière générale, c'est plutôt les noirs qui vont trouver du jeu. Donc ça, c'était l'option avec fou prend f7. Bon, et bien sûr, le coup plus spectaculaire, c'est qu'avec le pont F7, puisqu'on fait la fourchette, et alors quelle est l'idée des noirs qui se laissent prendre la fourchette, et qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient une pièce sur F2. Donc là, ça devient complètement fou, seulement au cinquième coup de la partie, la position est déjà complètement folle. Donc ici, un carrefour, alors, roi prend F2, c'est le coup naturel, roi F1, c'est très intéressant de refuser le fou. Puisque de toute façon, on a une fourchette qui est sur le feu là, hein, donc on n'est pas obligé d'essayer de tout prendre. Et puis il y a la partie de Traxler, enfin une partie de Traxler qu'on peut montrer où son adversaire avait joué roi e2. Donc c'est une des premières parties qu'on trouve dans la base de données. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Ah, c'est Non, vrai que autant fou pour prend moi. F... Ouais. Autant C'est vrai pour que... moi, je crois qu'il y a eu une partie avec roi e2, mais bon, c'est vrai que c'est un peu exagéré. Je crois qu'il s'était pris cavalier d4 échecs. Mais ça, c'est une partie, donc en 1896, où il y a eu roi f1.
justement. Oui, parce que fou prend F2, c'est un sacrifice d'attraction. L'idée, c'est d'attirer le roi hors de son camp. Et c'est vrai que si on joue roi E2, on attire le roi et on a même, ça ne nous a Ouais, on même n'a pas même pris pas le pris. cheval. Ouais. Donc l'idée, c'est vrai qu'on va la voir après, c'est roi prend F2, cavalier prend E4 échec, et les noirs tentent d'attaquer le roi blanc. Donc sur roi F1. Donc c'est vrai que c'est assez amusant de voir qu'en 1896, alors qu'il n'y avait donc pratiquement pas de théorie sur cette ouverture, le joueur qui avait les blancs a décidé de faire preuve de prudence en jouant en roi F1. Dame E7, cavalier prend tour, donc les blancs gagnent une tour, et D5. Donc regardez, les noirs jouent tout pour l'activité. C'est vrai qu'on avait parlé d'Alpha Zero au mois de décembre et de sa manière assez folle de rechercher tout le temps de l'activité au prix de matériel. Ben, cette ouverture, c'est typique. Hein. Là, c'est vraiment l'ouverture phare où on sacrifie beaucoup pour énormément d'activité. Donc E prend D, cavalier D4. Oui, on peut noter que sur fou prend, on va avoir un petit problème avec fou G4, je pense. Voilà, mais alors, exactement. D'accord. Donc sur fou prend, fou G4 et la dame est perdue. C'est une idée qu'on va retrouver juste après. Puisqu'après E prend cavalier D4, les noirs menacent fou G4 gagne la dame. Oui, sur le retour du fou en E2, le cavalier D4 participe à casser cette défense. Donc C3 pour faire une case pour la dame. Fou G4, dame à 4 échecs, cavalier D7. Alors, c'est assez amusant parce que les blancs ont gagné une tour. Et ils peuvent choisir entre prendre le fou ou le cavalier. Dans la partie, ils ont pris le fou. Il y a eu dame H4 échec. Le roi est venu sur E3. Dame G5 échec. Roi F2. Dame F5 échec. Roi G1. Donc ce roi est un peu abandonné par ses pièces. Il est un peu tout seul. Hein. Et grand roque. Et là, on a l'esprit de cette attaque, de cette contre-attaque. Les noirs ont sacrifié énormément. Ils ont perdu leur tour. Ils ont perdu leur fou. Et maintenant, ils donnent encore le cavalier. Donc, ils ont pris qu'un seul pion, hein, les noirs, depuis le début de la partie. Et par contre, ils ont fini de développer leurs pièces. Et les blancs, effectivement, sont très en retard, avec énormément de pièces à la maison. Et bon, bien sûr, la menace, c'est la tour F8, avec menace de mat terrible sur F2. Donc, la partie s'est achevée de manière précoce, d'ailleurs, après pion prend cavalier, tour F8. Menace mat, H3, la dame est venue sur F2, roi H2. Et fou pour H3. Il a pris et il y a eu G5 abandon. Voilà. Donc pour la petite histoire, il y avait tour F4 qui était plus rapide, mais G5 ça gagnait également. Ou menace dame H4 mat. Et puis en cas de G3, il y aurait tour F3. Et comment on fait pour défendre le pion G3? Donc le roi. Avec quatre pièces de plus pour les blancs. Voilà, ici c'est. Donc une tour, un cavalier et deux fous. En plus, Mais les pour pièces les blancs. blanches sont soit non développées, soit totalement éparpillées et sans coordination. Ouais, éparpillé aux quatre coins de l'échiquier, comme le cavalier H8 par exemple. Et puis on subit cette menace d'un pion G3, et alors faut partir à l'aventure avec le roi, mais on va se faire mater en quelques coups. Voilà, donc un gain en 18 coups pour Traxler en 1896 dans cette partie. C'était une petite illustration pour m'en donner une petite idée de ce qui peut se passer. Hop. Pour vous donner aussi une idée de l'esprit, surtout. Surtout vous montrer l'esprit. Il avait travaillé le père Traxler. Ouais. On voit qu'il est arrivé quand même avec des idées. Hein. Et donc, après fou C5, cavalier prend F7, fou prend F2, échec. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails parce qu'on n'aura pas le temps. Mais en gros, on va expliquer que sur roi prend F2, qui est le coup principal, cavalier prend E4, échec. Les blancs ont différents coups de roi, mais si je ne me trompe pas, selon la théorie, ils n'arrivent pas à trouver un avantage, quel que soit le coup de roi. Roi G1, c'est le coup le plus sage, hein, on essaie de se cacher derrière les pions. À un moment donné, une des réfutations qui avait été suggérée, c'était roi E3. Bien sûr, il faut avoir les nerfs bien accrochés, hein, pour monter le roi ici. Dame H4, G3, cavalier prend, pion prend, échec. Le roi vient sur F3. S'il était venu sur E2, il y aurait eu dame prend fou sur échec et après dame prend cavalier. Et D5, on retrouve très souvent ce coup D5 dans cette ouverture. Donc on menace de gagner la dame par fou G4. Et bien sûr, l'idée serait de faire grand roque. Tour H4, donc qui se défend contre fou G4, échec. Hop. Et petit roque, le coup un peu inattendu.
Avec bien sûr cette idée de faire jouer la tour sur la colonne. Et de Et rentrer en donc, F2. ouais, il y a bien sûr l'attaque ici. Et à un moment donné, il y avait des théoriciens qui avaient dit que KSC3, ça a gagné la partie. Sauf qu'après pion prend dame H5, les noirs ont trouvé une défense ici, parce que bon, c'est la contre-attaque en fait, hein, des blancs, bien sûr, sur le roi. Mais après cavalier E7, qui est le bon coup de la position, apparemment les noirs tiennent une égalité. Voilà. Alors, les petites questions, que faut-il jouer si les blancs ne prennent pas le pion en F7? Bah, ça veut dire déjà que fou C5, ça les a calmés. Ouais. Donc, bah, c'est vrai que si on fait KG5 et on prend pas sur F7, on a un peu perdu toute l'idée de. Je sais que des fois, il y a des joueurs qui ont peur et qui font un coup ben, comme D3 par exemple. Mais bien sûr, après petit roque, les noirs vont repousser le cavalier et ils auront gagné 2 temps sur une italienne normale. Par contre, il y a quand même un coup qui est très intéressant ici, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, c'est de faire D4 intermédiaire avant de prendre sur F7. Et ça, c'est un des meilleurs coups des blancs quand même, on peut dire. Une des meilleures façons de jouer contre la Traxler. Et ça avait été analysé par Robin Fine en 1939. Déjà, donc il avait fait aussi des longues analyses. Et au bout d'un moment, on a compris que la meilleure réponse des noirs, c'était D5. Alors, c'est quand même assez incroyable comme ouverture, hein, puisqu'on a toujours des coups surprenants qui arrivent alors qu'on est seulement au cinquième coup de la partie. Donc, bon, simplement pour citer une variante, fou prend D5, cavalier prend D4, fou prend F7. Roi E7, donc ça ressemble un petit peu à l'autre. Sauf que les blancs ont ouvert le fou C1. Donc B5, on repousse le cavalier, et cavalier G4 pour créer des menaces sur F2. Et pour la petite histoire, donc ici, si les blancs ne font pas un coup précis, ils peuvent être vraiment sous grande pression. Hein. Il y a tour F8 qui peut arriver. Donc beaucoup de pièces noires à l'attaque. Et ils ont trouvé au bout d'un moment que le meilleur coup des blancs et qui pouvait leur procurer un avantage, c'était fou E3. Fou E3, bien sûr, qui n'est pas le coup le plus naturel parce qu'on se dit sur cavalier prend E3, il prend mon bon fou et il ruine ma structure de pion. Mais voilà, pour des raisons C'est vrai concrètes. que JMC nous dit tu dois transpirer devant l'échiquier. C'est vrai que si c'est bien le JMC auquel je pense, on a des profils plutôt de joueurs stratégiques. Et c'est vrai que si on n'est pas trop tactique. Ouais, ça fait bizarre hein, quand on arrive dans des positions comme ça. Donc, Pour contrôler les événements, ça va être un peu compliqué, quoi. ouais, on se dit que tout peut arriver à chaque coup. C'est vrai que ça fait transpirer. Voilà, donc ça c'était une parenthèse théorique sur le coup D4. Et sur cavalier prend F7, on va rester sur fou prend F2 échec. Roi prend F2, cavalier prend échec, roi G1, donc tout à l'heure on a essayé roi E3, hein. Dame H4, voilà donc menace mat. Donc une grosse attaque, pion G3, cavalier prend G3, et cavalier prend H8. Donc cette position, toujours chaotique, hein, c'est la position principale de la variante roi prend F2. Donc les noirs ont différentes possibilités de jeu. J'avais joué une partie en 2005 en interclub contre un joueur à 2200 Elo. Et j'avais pas trop révisé mes variantes. J'avais joué cavalier E4 parce que je croyais me souvenir que c'était un coup intéressant. Et mon adversaire avait mal répondu. Et finalement, on avait joué une longue partie. J'avais récupéré le matériel. Et c'était une longue finale, donc j'ai mis la partie dans la base, vous pourrez la voir. Mais on peut essayer D5, mais c'est un peu compliqué après Dame F3. Par contre, il y a Cavalier D4 qui a l'air d'être le bon coup ici, et qui mène à un perpétuel, en fait, qui est connu depuis, je crois, assez longtemps. Donc c'est pion prend. Dame prend échec, roi F1, dame F4 échec, roi G2, dame G5 échec, roi F1. Voilà. Et les deux joueurs n'ont pas mieux que de faire match nul avec cet échec perpétuel. Donc qui est parfois une fin logique de la théorie dans cette ouverture, mais aussi dans d'autres ouvertures très tranchantes. On peut souvent finir par des répétitions de coups forcés.
Voilà, donc ça c'est la ligne principale. Donc si on veut jouer pour le gain, avec les noirs, on peut. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait cavalier E4, je crois. On peut essayer d'autres coups comme cavalier E4, puis en D5 ou cavalier prend H1. Mais bien sûr, c'est pas sans risque parce que si les blancs jouent de manière précise, ils peuvent espérer l'avantage. Voilà. Et donc pour conclure sur l'attaque Traxler, parce que je voudrais pas passer trop de temps dessus, vu qu'on a encore les autres variantes, c'est roi F1 qui souvent est considéré par les joueurs comme le meilleur coup pour prendre l'avantage. Alors après, dame E7, K prend H8, puis en D5, donc ça nous rappelle la partie qu'on a vue tout à l'heure de Traxler, cavalier D4, c'est la position principale de la Voilà, variante on avec roi. remenace fou G4 pour gagner la dame. Donc c'est la masse, effectivement. Tu nous avais dit C3 tout à l'heure, non? Voilà, il y avait eu C3. C3 qui est un coup normal. Mais on s'est rendu compte, après un certain nombre d'années et d'analyses, que les blancs avaient plutôt intérêt à jouer le coup D6. Ici, alors, sachant qu'il y a H3 aussi, par exemple, qui a été analysé, bien sûr. Si on met. Voilà, et même Food. Donc, c'est des coups qui sont envisageables, tous les coups qui se défendent. Je crois aussi qu'il y a certaines variantes avec D3. Idée fou G4 dame D2. Voilà, donc vous voyez que ça peut partir très loin, on peut faire des branches un peu partout. Et le coup qui a failli réfuter l'ouverture, c'est D6. Parce que si y a, les noirs prennent du pion, il y a roi prend F2 qui apparemment est gagnant pour les blancs. Parce que l'idée, ça peut être pour la dame d'avoir accès à la case C5. Et sur pion prend D6, ça va obstruer l'accès à la case Exact, D4. exact. Ça enlève notamment ça. Et puis donc bien sûr on ouvre. Donc on veut essayer de ressortir à un moment donné le cavalier. Ou parfois ça peut être une idée de placer un échec si jamais on a une suite concrète. Mais en vérité, apparemment, hein, selon mes recherches, cette dame prend D6 tient la position. Voilà. Alors quand on cherche dans la base de données, on trouve presque pas de partie avec cette position, ce qui pour moi était assez étonnant parce que je pensais qu'au moins ça aurait été essayé quelques fois dans des parties de tournoi. Mais on le trouve surtout dans des parties par correspondance. Donc voilà, il faut des bases un peu spéciales avec des parties par correspondance où les joueurs essayent beaucoup plus des variantes comme ça parce qu'ils ont beaucoup plus ils ont un temps illimité pratiquement hein, pour jouer leur coup. Donc ils ont le temps de gérer des situations aussi chaotiques. Ils sont pas Ils en ont les train. ordinateurs, ils ont des ordinateurs aussi. Et de nos jours, bien sûr, aussi, ça se joue avec l'aide des ordinateurs, ce qui est beaucoup plus facile. Voilà, alors pour conclure sur cette Traxler, donc ici, il y a deux variantes, il y a cavalier F7 ou C3. Donc, j'ai trouvé une partie dans la base, une des rares parties que j'ai trouvées dans la base, c'est une partie entre Stockfish et Houdini, de 2018, donc l'année dernière. Donc, il y avait eu cavalier F7, dame, il a joué dame E7, alors que normalement, c'est dame C5, le coup. De la théorie entre guillemets. Il a joué dame E7, D3 et fou G4. Voilà, ça a continué comme ça. Je vous ai mis la partie dans la base. Et vous pouvez regarder ça. Alors, question de GG Venax sur le chat. Est-ce que c'est pas un peu risqué de se dire qu'on va jouer la Traxler en tant que débutant? Parce que j'imagine que si on fait une faute, on peut le payer très rapidement. Alors oui et non, parce que en vérité, si on joue aussi contre un joueur débutant, eh bien, les deux joueurs peuvent faire des fautes, et auquel cas, c'est plus le joueur qui a mieux développé ses pièces, qui a plus de chances de s'en sortir. Donc en vérité, c'est plutôt les blancs qui ont plus de chances de faire une erreur terrible, parce que c'est eux qui ont leur roi sous grande pression. C'est pour ça d'ailleurs souvent qu'on conseille aux débutants de jouer des gambits ou des parties d'attaque. Parce que c'est là où ils vont pouvoir mieux développer leur jeu, en fait. Mieux comprendre la tactique, les attaques aux échecs. Et puis c'est là aussi où finalement il y a plus de chances que l'adversaire se trompe. Parce que l'adversaire est sous pression. Et de toute façon, un débutant qui va jouer contre un joueur expérimenté, il risque de perdre, même sur du jeu positionnel. Donc, Et en fait, il a beaucoup plus de chances de perdre ce jeu positionnel. C'est-à-dire que le joueur expérimenté qui a les blancs, je pense qu'il n'a pas du tout envie d'affronter cette variante. Parce qu'il sait que si le joueur en face a un peu travaillé la variante, et ben il peut se retrouver en danger, quoi. Donc, enfin, surtout par exemple les variantes de cavalier prend F7 qui sont particulièrement tranchantes. Voilà. Et puis donc la conclusion c'était que sur C3, après D6, dame prend D6, fou G4, dame A4, le bon coup c'est B5. Donc ça s'arrête jamais en fait hein, de cette variante. Donc fou prend, cavalier prend.
Ici, roi prend F2C de bon coup et on revient en D7. Voilà, je me suis arrêté là. Les noirs ont une tour de moins, mais le cavalier H8 n'est pas sorti de l'auberge. Et puis, bah, il risque d'avoir grand roque avec une grosse attaque sur ce roi qui est délaissé par ses pièces, hein. Voilà, regardez le développement des blancs, hein, toujours assez catastrophique. Et même la dame blanche est en détresse tactique avec ce vis-à-vis. Ouais, il faut faire attention, peut-être qu'on doit encore rejouer la dame alors qu'on aurait bien aimé faire un coup de développement. Bien sûr, il y a le cavalier E4 qui traîne, le cavalier G4, ça dépend où va la dame. Le fou peut venir accompagner l'attaque sur C6, et puis on va mettre la tour en jeu rapidement avec un coup comme grand roque. Donc c'est très périlleux, la position des blancs. Tout peut arriver, j'ai envie de dire, dans une partie. À partir de là, tout peut arriver. Voilà. Donc pour la Traxler, on va s'arrêter là. Je crois qu'on a déjà bien développé. Donc effectivement, j'avais mis un site en ligne. Hein, c'était il y a une quinzaine d'années. Donc vous pouvez le trouver facilement si vous tapez contre-attaque Traxler dans un moteur de recherche. Vous pouvez tomber rapidement sur ce site que j'avais fait. C'était sur Échec Passion. Alors on va revenir au coup D5, qui est le coup normal, quand même. Coup normal. Et après pion prend D5. J'avais dit que les noirs ont plusieurs coups possible. Alors évidemment, le coup que les blancs aiment beaucoup, c'est quand les noirs se trompent avec cavalier prend D5. Et pourtant le coup le plus normal. Hein. C'est vrai que on est un peu tous passés par là, hein, de jouer ce coup avec les noirs au début. Hein. On se dit je reprends mon pion, je vois pas le problème. Et puis donc les blancs ici ont un jeu très intéressant. Soit avec cavalier prend F7 tout de suite, qui est le coup le plus connu, qu'on l'appelle l'attaque Friedliver ou l'attaque Fegatello. Au moins deux noms, il y en a peut-être encore d'autres. Ah, il y a Marc qui a mis le lien, merci, sur le chat de la diffusion. Et puis, donc oui, on peut intercaler D4, c'est l'attaque Loli, je crois que c'était joué par Morphy, à vérifier. Et puis donc, on a un bon jeu ici, on menace cavalier prend F7 encore plus fortement qu'avant. Donc, le coup D4 est très intéressant. Cavalier prend F7, c'est le coup plus classique, et après roi prend F7, on joue dame F3 échec, ce qui fait une double attaque entre le cavalier et le roi. Le roi doit protéger son cavalier. Bon, si le roi repart, on joue tout de suite avec un pion moins, en fait, et on est déroqué. Donc là, il y a une menace sur C6, il y a une menace sur F7, le roi est déroqué, il y a un pion de plus pour les blancs, c'est la catastrophe. Bon, ça peut être encore plus catastrophique, vous allez me dire, hein. Roi G8, j'ai déjà vu des parties qui se finissent comme ça. Hein. Donc, hop, échec et mat. Voilà. Ou Dame prend D5 pour faire le Et mat. on peut aussi le faire dans l'autre sens. Voilà. Donc, après dame F3 échec, roi aussi c'est obligatoire. Les blancs jouent cavalier C3, donc on attaque la pièce clouée. Et les noirs ont deux variantes, cavalier B4, cavalier E7. Voilà, dans les deux cas, les blancs vont avoir un excellent jeu d'attaque. Ce qui est complètement logique puisqu'il y a un roi adverse en E6. Donc bien sûr, un ordinateur va toujours essayer de tenir cette position avec les noirs, hein, et il a des bonnes chances d'y arriver. Mais en pratique, le score des blancs, c'est plus de 75% de réussite. Bon, ce qui est un score énorme, hein, pour une variante d'ouverture. Donc en gros, c'est pratiquement quand c'est des ouvertures réfutées qu'on atteint des scores comme ça. Donc je vous ai sélectionné trois parties. À partir de là, donc une de Shirov, donc qui a écrit des livres Le feu sur l'échiquier. Donc il avait joué avec les blancs, c'était contre Sulzkis, je crois, un grand maître aussi. Donc le plus simple ici, c'est Dame E4. C'est le coup que je préfère. On protège le pion parce qu'il voulait faire la fourchette. On cloue, puis on a des menaces de D4. En fait, par exemple, il protège, on repousse le cavalier et on fait D4. Voilà, et puis on a un coup que j'aime bien, c'est fou F4, qui est une menace pour essayer de faire fou prend E5 et menacer des découvertes. Sachant qu'il ne pourra pas prendre en F4 parce qu'il est doublement cloué. Voilà, ah, bah c'est intéressant cette citation de Fischer que nous dit JMC. On en parlera tout à l'heure. Voilà, alors. Ça, c'est une bonne attaque. Alors, Shirov, il a joué quoi? Il a joué le coup le plus exotique de la position, A3. Vraiment très très agressif. Donc, on laisse la fourchette et puis on veut bien sûr après jouer au maximum sur le roi avec des coups comme cavalier prend D5, D4, amener la tour à l'attaque, amener le fou à l'attaque. Voilà. Donc énormément de jeux. Vous pourrez voir la partie de Shirov contre Sulzkis.
Donc voilà, soit on joue cette variante très risquée, ou bien on joue tranquillement dame E4 sur cavalier B4. Sinon, le coup plus raisonnable pour les noirs, bien sûr, c'est cavalier E7. Et là, le coup le plus tranchant, c'est D4. Vous verrez aussi dans la base une partie que j'ai mis, c'est Gigalco Agdestein. C'est petit roque. Bon, bien sûr, petit roque, c'est très bon coup. Hein. On cache le roi. Toujours cacher le roi quand on fait des attaques. Et puis, on veut mettre la tour en jeu, peut-être préparer ce coup en force. Et bien sûr, on a du bon jeu. Mais le plus tranchant, c'est D4. Alors, toujours cacher le roi quand on fait des attaques, ce n'est pas tout à fait le cas d'Atraxa. Non, c'est ça, c'est vrai. Dans cette optique-là, c'est un mauvais exemple, même si on a vu qu'il y avait quand même pas mal de variantes où les noirs finissaient par faire grand roque et à cacher leur roi. Donc C6, bon, qui est normal. On peut montrer que sur pion prend D4, bah, j'ai une variante spectaculaire, fou G5. On se développe, on cloue, et si pion prend, on va faire grand roque. Et là, c'est génial comme position. Puisque les blancs ont sacrifié deux pièces mineures. Mais ils ont toutes les pièces à l'attaque. Puisqu'on voit qu'il y a tour H1 qui va arriver. Et la position est gagnante. C'est étonnant parce que sur pion pour D4, moi j'avais, dans mes souvenirs, je jouais dame E4 échec. Ah. Pour dévier le roi noir de la protection du cavalier D5. Alors, je ne sais pas si on peut jouer ce coup. Tu vois, sur dame E4 échec, si le roi vient en D6, le cavalier D5 sera plus protégé. Et si le roi va sur une autre case, le cavalier D5 ne sera plus suffisamment protégé non plus. On récupère la pièce en fait. Ouais, mais on récupère, mais est-ce qu'il peut pas s'en sortir, c'est la question. Ouais, à vérifier. Je sais pas où il doit partir. Je suppose qu'il doit partir vers la gauche, mais on ne sait pas. J'avais vu qu'il y avait souvent ce coup fou G5 et on essayait de faire grand roque très vite. C'est plus Après sur dame spectaculaire, c'est E4, sûr. est-ce qu'il peut... Oui, on récupère aussi la pièce, donc ça gagne aussi tranquillement. Voilà. Fou G5, c'est un peu plus dangereux, mais en fait, dans les deux cas, on gagne. Voilà. J'ai trouvé une partie de Stéphane Vaugeois. Je ne sais pas si son club est représenté ici. De 1994, où il y a eu H6 des Noirs. Voilà, donc j'ai mis aussi cette partie dans la base. Et puis pour conclure, c'est C6, fou G5, H6, fou prend E7, fou prend E7, grand roque. Voilà, donc ce qui compte, c'est l'esprit. C'est pas essayer de retenir les coups. Donc l'esprit, c'est d'ouvrir le jeu au maximum sur ce roi qui est en E6, activer maximum de pièces. Et donc effectivement, on voit dans ces variantes-là, quand les noirs font cavalier prend D5, qu'avec cavalier prend F7 ou éventuellement D4, les blancs peuvent obtenir vraiment une position très puissante et pas loin d'être gagnante en pratique. En fait. Voilà. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu la seule variante. Et les noirs se trompent quand même. Voilà. Donc... Quand on joue ça avec les blancs, je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est comme si on espère que les noirs se trompent. Parce que si les noirs jouent d'autres coups, donc soit la contre-attaque Traxler, bon, qui est compliquée, qu'on a vu avant, semble donner un jeu assez intéressant pour les noirs, même si d'un point de vue purement théorique, les blancs peuvent conserver un petit avantage. Ou bien avec toutes les autres variantes ici qui existent. Donc la plus connue, c'est cavalier A5. On contre-attaque sur le fou. Mais il y a aussi d'autres coups plus rares. Alors là, on va pas trop rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Mais on va citer simplement le coup cavalier D4, qui s'appelle la variante Fritz. Alors ça n'a pas de rapport avec le logiciel, hein, parce que le nom, hein, je pense, a été donné largement avant que le logiciel existe. Donc qui ressemble d'ailleurs un peu à l'autre partie. Alors je vous ai mis une partie exceptionnelle qui est jouée par correspondance. On parlait des parties par correspondance tout à l'heure. Donc ça, c'est la ligne. Ici, après C prend, Dame prend G5, fou prend B5, échec, roi D8. Donc désolé, hein, j'explique pas tous les coups parce qu'on n'a pas le temps, on pourrait revenir dessus tranquillement. Donc ça, c'est la position principale de la variante Fritz. Voilà, le jeu est à double tranchant, les blancs ont toujours un pion d'avance, mais il y a Dame prend G2 qui traîne, et puis les noirs... Comme souvent dans ces variantes, on va avoir beaucoup de jeux à base de tour B8, le cavalier qui peut bondir sur F4. Alors ils ont un roi en D8, mais qui n'est pas facile à atteindre. Encore une fois. Donc rappelons-nous qu'aux échecs, la faiblesse d'un roi, c'est pas est-ce qu'il est déroqué, est-ce que les pions de son roque ont disparu ou des choses comme ça. C'est est-ce que l'adversaire peut l'atteindre. Voilà, c'est le plus important.
Et là, c'est vrai que souvent, c'est plutôt le roi blanc qui peut se faire atteindre par les pièces noires. Bon, à cette position est compliquée, bien sûr, très intéressante. Et au lieu de pion prend D4, dans cette partie de Berliner, donc Hans Berliner, qui a été champion du monde par correspondance, il jouait contre Estrin, qui est un grand théoricien, qui a aussi étudié beaucoup la Traxler. Il avait joué cavalier E4, Estrin. Il y avait eu dame H4. Donc c'est une autre variante. Je crois que ça se joue avec cavalier G3. Ça continue. Donc c'est très compliqué. Et ils ont joué une partie par correspondance, vraiment d'une grande complexité, et vous pourrez la retrouver dans la base de données. Bon, sinon, il y a un coup complètement inattendu ici, pour les noirs, en plus de cavalier D4 et cavalier A5, qui est assez jouable, c'est B5. Et je crois, Marc, que tu avais fait un article sur ce coup. Oui, c'est la variante Ulvestad. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est vrai que j'avais découvert ce coup. Je crois que c'est un coup assez récent. Hein. Il n'a pas été. Il est pas Alors si. ça, je sais pas, tu me poses une colle, je ne sais pas s'il a été joué anciennement ou pas. Enfin, je crois que c'est un coup assez récent et j'avais vu lors d'une petite partie amicale entre Jean-Claude Moin, l'ancien président de la Fédération, et un de mes très jeunes élèves. Et mon jeune élève, enfin Jean-Claude Moin, fait l'amitié de jouer quelques coups et il a sorti ce coup B5 que j'ignorais et mon élève évidemment était complètement D'accord. perdu. Alors l'idée c'est quoi avec B5? En fait, ça va être On veut d'attirer, dévier le voilà, ça va fou. être de Voilà. dévier le fou pour ensuite continuer par dame prend D5. Et l'idée c'est qu'on attaque G2 et le fou en B5. Donc face à ces deux menaces, on se dit bah on va faire fou conquérir les C6. Et le problème après dame prend C6, c'est que les blancs, bon, ils ont toujours pion G2 à attaquer, donc ils vont peut-être faire petit roque, mais c'est que les noirs, en fait, ils ont gagné la paire de fous. Et le fou de case blanche, et le jeu sur case blanche va faire très mal après fou B7, on a des idées aussi de grand roque, et on a une pression très désagréable sur la grande diagonale blanche, on peut tenter de colmater avec F3, mais ça se passe pas si bien que ça. D'abord, il y aurait fou C5 échec qui développerait avec un temps, et puis il pourrait y avoir des astuces du type, H6 qui chasse le cavalier G5, puis de G5 et G4 pour casser le pion F3 à la défense sur les cases blanches. Donc cette idée sur la grande diagonale blanche et le jeu sur le roi blanc fait très très mal. Et c'est pourquoi le coup qu'il faut trouver après B5 est vraiment pas évident. Si on ne connaît pas ce coup, à mon Ouais, avis, c'est dur de pire le que trouver ça. pendant la partie. Ouais, C'est revenir sur la case départ. voilà, faut revenir en F1, Pour tout protéger, simplement. ouais. Tout simplement parce que les noirs, après la reprise en D5, comment ils vont reprendre? S'ils reprennent du cavalier, alors on peut faire fou en B5, puisque la dame noire n'arrive pas en D5, et donc on n'aura pas l'obligation de céder la paire de fous comme ça. Et puis, si les noirs reprennent de leur dame, alors on va chasser la dame par cavalier C3. Puis, Et comme le pion G2 est protégé par le fou en F1, on pourra ensuite, une fois que la dame est chassée, on pourra récupérer le pion B5 avec le fou. Voilà. donc et après fou F1, donc soit les noirs peuvent transposer dans la variante Fritz avec cavalier D4, C3, cavalier prend D5, c'est une transposition sur ce qu'on a vu tout à l'heure, ou bien ils peuvent jouer H6. Et ici, je crois que les blancs en prennent l'avantage avec cavalier prend F7. Donc voilà, il y a des sacrifices qui arrivent souvent. Bon, mais là, c'est pas spectaculaire, c'est juste qu'on veut changer les cavaliers d'une bonne façon pour nous. Et d'un point de vue théorique, c'est l'avantage blanc. Maintenant, encore une fois, comme dans la plupart de ces variantes, j'ai l'impression que c'est intéressant de jouer les noirs, parce qu'on voit que les blancs ont toutes leurs pièces au départ, et les noirs vont se développer sans doute très vite. L'idée de fou, C5, tour F8, et cacher le roi. Là encore, même si peut-être d'un point de vue théorique, c'est l'avantage pour les blancs, d'un point de vue pratique, même cette position me semble plutôt intéressante à tenter avec les noirs. Voilà. On a un peu fait le tour des différentes variantes. On va conclure avec cavalier A5, qui bien sûr est le coup principal. Alors, fou B5 échec. Bon, j'ai mis D3 dans la parenthèse, hein, mais c'est vraiment. Je crois que ça a été essayé une fois par Bronstein, mais ça n'a pas été beaucoup joué. Fou B5 échec, pardon. Donc C6, c'est le coup bien connu. Fou D7, c'est un coup intéressant, mais c'est un jeu beaucoup moins tranchant. Voilà, j'avais affronté ce coup. C'était Dimitar Marolev, le maître international, qui m'avait joué ce coup dans une partie de tournoi. Mais sur C6, c'est le coup qu'on voit le plus. Donc pion prend, pion prend. Et ici, pas mal de choix pour les blancs. Fou E2, c'est le coup historique.
on peut dire, c'est ce que les joueurs jouaient le plus auparavant. Mais depuis, disons, une dizaine d'années, il y a un coup qui est devenu principal, c'est Fou D3. Voilà, donc les joueurs ont dû rencontrer trop de problèmes avec Fou E2. Sachant qu'il y a aussi Dame F3. Mais bien sûr, quand on sort encore la dame, on s'expose à des problèmes. Et souvent, les noirs font un double gambit, c'est-à-dire qu'ils vont abandonner le pion C6 pour prendre la paire de fous. Et encore le fou de case blanche, comme tu disais tout à l'heure, Marc. Par exemple, on peut jouer un coup comme tour P8. Et si fou prend, cavalier prend, dame prend. Alors là, je sais pas si c'est fou D7 ou cavalier D7 le mieux. Des fois, cavalier D7, c'est intéressant pour faire fou B7, justement. On attaque le cavalier en G5. Donc cette position peut-être est très intéressante à jouer pour les noirs. Voilà. Vérifier, je sais pas si c'est la théorie. Bon, voilà. Il y a tour B8 et il y a aussi fou E7 qui est très bien. Donc avec l'idée tout simplement de roquer. Donc beaucoup de jeux ici pour les noirs après dame F3, même si ça mérite l'analyse. Alors, sur fou E2. Qui est le coup historique, on va commencer par là, puis on finira par le coup principal, fou D3. Les noirs repoussent le cavalier par H6. Cavalier F3. Alors, tout à l'heure, il y avait GMC qui parlait de Fischer. Fischer qui aurait déclaré que le coup cavalier G5 était peut-être le seul coup pour essayer de prendre l'avantage ici avec les blancs. D'un point de vue purement théorique, bien sûr, c'est toujours discutable. C'est toujours des débats. Aussi, on a vu que la théorie a évolué beaucoup depuis une cinquantaine d'années. Ça reste une question. Ça reste une question, mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup ce coup, par exemple, dans les parties de grands maîtres, on le voit pratiquement plus. Donc, je pense qu'ils ont abandonné ce coup. Puisque tout ce que disait Fischer n'était pas Voilà, il avait une. En fait, il essayait dit qu'il pouvait gagner contre n'importe quelle femme avec un cavalier Par blanc. exemple, ouais. Mais surtout, si c'était vraiment ça qu'il pensait, pourquoi on trouve pas plus de parties de lui dans la base avec ce coup? C'est un peu étonnant parce que j'en ai trouvé qu'une seule, donc alors à vérifier, mais voilà. Donc en tout cas, lui il était plutôt favorable à la variante cavalier H3, enfin, c'est ce qu'il a joué. Je pense que c'était comme ça qu'il pensait de jouer la partie. Donc j'ai trouvé sa C'est lui qui veut partie, prendre la paire de fous, alors. voilà, j'ai trouvé sa partie contre Biguier où il a gagné avec ce coup. Donc j'ai juste mis. L'idée c'est quoi? C'est que sur fou prend H3, puis on prend H3, les blancs vont quand même faire le petit roque. Et c'est là où on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, que le roi n'est pas forcément faible sous prétexte, par exemple, que le roque est explosé. C'est est-ce qu'il y a des pièces noires qui vont venir? Et il n'y a pas de fou de case blanche. Donc ça fait déjà plusieurs fois qu'on se rend compte que le fou de case blanche des noirs, dans ces variantes, est une pièce très importante. Et c'est vrai que dans cette idée-là, de faire cavalier H3 et de dire, bah, tu peux prendre, mais ça te coûte ton fou de case blanche. Du coup, ça me dérange pas trop que ma structure et même mon roque soient détruits. Voilà, donc cette position a l'air assez incertaine. C'est un peu comme ça que ça s'est joué dans la partie de Fischer. Sinon, les noirs sont pas obligés de prendre H3. En fait, ils peuvent essayer de maintenir la tension parce qu'on se dit, est-ce que le cavalier est bien placé, quoi? C'est à la limite, il vaut peut-être mieux garder le fou de case blanche côté noir et ramener cette pièce. C'est vrai que souvent, c'est le cavalier A5 qui est un peu loin de l'action. Faut essayer de le ramener. Quitte à Sinon. faire fou prend H3 dans un moment plus opportun. Oui, on peut le On garder peut ne en pas réserve. renoncer à cette idée, en fait, Effectivement. même. Tout à fait. Donc ça c'est cavalier H3. Bon, mais cavalier F3 c'est le coup normal. Pion E4, cavalier E5. Et ça c'est la position principale de cette variante, on peut dire, de toute la variante cavalier G5. C'est celle qui a été le plus rencontrée, je pense, dans toutes les positions. Même si on a vu que maintenant les joueurs jouaient plus souvent fou D3 que fou E2. Mais au total, dans l'histoire des échecs, cette position c'est la position principale de cette ouverture. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs coups possibles pour les noirs. Le plus connu c'était fou D6, pas forcément le meilleur. Je vais juste montrer la variante principale, D4, prise en passant, cavalier prend, dame C7, donc pour empêcher le petit roque parce qu'il y aurait fou prend échec. Et ici, c'est quand même important pour les blancs de connaître le coup B3. Donc le coup qui empêche le cavalier de venir sur C4 et qui prépare le développement du fou en B2. Donc après roque fou B2, les noirs ont différentes façons de jouer, mais en gros ils ont des bonnes compensations pour le pion dans tous les cas. J'ai mis cette variante.
Voilà, je voulais montrer que les noirs avaient leurs pièces vraiment très bien placées et une position assez dangereuse à gérer pour les blancs. Oui, même s'il faut avoir déjà un niveau assez respectable pour, enfin, une certaine expérience pour jouer des compensations, parce que je me rappelle quand je débutais les échecs, je voyais souvent dans les livres avec compensation, avec compensation. Et moi, la compensation, je la voyais jamais, je la perdais toujours la position. Le pion ou la pièce que j'avais donnée, je ne le récupérais jamais. Donc, il faut quand même avoir une base tactique assez, assez solide. Il faut avoir des compétences tactiques pour jouer ce type de position. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est très formateur. Voilà, justement, on a la position très dynamique, donc à nous d'essayer d'apprendre comment créer des menaces. Ce qui, voilà, c'est vrai que c'est bien de commencer par là, aux échecs, Ouais. puisqu'on sait que la tactique peut arriver à tout moment dans les parties d'échecs. Donc C'est c'est bien de. après la lecture des livres La tactique moderne de Ludek Batman que j'ai commencé à exploiter les compensations. Intéressant. Et donc ici, deux coups que je vous conseille un peu plus que fou D6, c'est fou C5, qui menace. Fou prend F2 échec, suivi de dame D4 échec, avec la double attaque. Et il y a beaucoup de jeux. Donc, par exemple, sur Petit Roque, on peut jouer dame D6, attaque le cavalier. Et si cavalier G4, fou prend G4, avec l'idée fou prend G4, H5. Admettons, le fou repart, cavalier G4. Maintenant, bien sûr, l'idée sur fou prend, ce serait de faire H prend, et la tour récupère la colonne, et on menace d'un prend H2, c'est terrible. Donc un coup comme G3, et là, il y a cavalier prend H2. Voilà, donc les noirs smatchent le roque blanc ici. Et même, regardez ça, ici, ils placent fou prend F2. Moi, je voulais vous montrer ce coup. C'est-à-dire que les noirs sacrifient 3 pièces quand même pour arriver là. Donc tour prend. Non, 2 pièces, pardon, je m'emballe un peu. 2 pièces, c'est déjà assez. H4. Et l'attaque noire est gagnante. Voilà, donc par exemple, voilà, puis on prend. Et l'idée, ça va être de placer dame H6. Sachant qu'il y a aussi dame D4 qui peut arriver. Donc ça fait beaucoup. Donc par exemple, tour F5, avec l'idée de contrer sur H5. Mais il y a juste G6. Et là, l'attaque gagne, apparemment. Voilà. Donc il y a encore le cavalier qui est en prise. Mais l'attaque passe. Donc je vous laisserai examiner ça. Plus tranquillement. Donc sur fou C5, il y aurait C3. Dans quel cas, fou D6 pour le coup. En fait, on va transposer dans l'autre variante, mais il y aura un pion en C3. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les blancs. Parce qu'ils voulaient faire cavalier C3, bien sûr. Donc c'est une version améliorée. Voilà. On va roquer avec les noirs et on va avoir un bon jeu pour le pion sacrifié. Et la dernière variante qu'on peut citer, c'est dame D4. Du coup, très intéressant, dame D4. Puisqu'on attaque le cavalier, il peut plus faire D4. Donc il peut faire cavalier G4 éventuellement. Mais bon, après prise prise E3, c'est assez chaud. Parce qu'on attaque le fou. Et après F4, on joue fou C5. Et les blancs ne peuvent pas roquer ici. Ils sont obligés de faire un coup comme tour F1 et ils ont le roi coincé au centre. Donc ça, je trouve que c'est une variante très intéressante à jouer pour les noirs. Parce que le roi blanc est coincé en plein centre et les noirs vont avoir une avance de développement. Donc je vous ai mis une partie sur cette position, une partie Teng contre Tezik, voilà une partie assez récente. Voilà, donc pour un peu faire le tour de la vente avec Fou E2. Et pour terminer ce chapitre, voilà, je savais que la théorie c'était dangereux hein, pour le timing, mais c'est toujours le cas. Donc simplement pour dire que sur Fou D3, avec l'idée sur H6 de ramener le cavalier en E4, c'est devenu la ligne principale. C'est devenu la ligne principale. Moi-même, je l'avais déjà essayé contre des maîtres internationaux. Alors, d'un point de vue théorique, apparemment, c'est la meilleure chance des blancs. D'un point de vue pratique, il faut quand même se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que on a joué 3 fois ce fou, tout ça pour le remettre devant le pion D2 qui bloque le fou C1. Donc, c'est quand même assez bizarre. Alors, certes, il y a un cavalier sur le bord en face qui a joué 2 fois. Mais tout de même, c'est un peu préoccupant d'un point de vue de la santé de la position blanche. Je pense qu'on va devoir rebouger ce fou une quatrième fois à un moment donné. Et puis les noirs ici, donc ok, sur H6 cavalier E4, c'est quand même des compensations pour les noirs, mais le meilleur coup c'est cavalier D5. Voilà, attaque le cavalier. Et l'idée c'est que si le cavalier vient sur E4, il y aura F5 qui va arriver en force. Donc là c'est dangereux. En fait, Donc. H6, ça justifierait un peu le coup que fait D3, parce que le Ouais, cavalier ça peut. rentre dans l'idée. Ça rentre dans l'idée, ouais. Donc c'est vrai qu'à fou D3, si les noirs jouent H6 de manière automatique, comme ils font par exemple sur fou E2,
Les blancs ont déjà un peu plus de chances d'avoir. Même si cette position, ça change pas le problème qu'on a un fou en D3. Donc, après cavalier D5 par exemple. Même là, il y a des compensations intéressantes pour les noirs. Mais c'est encore pire sur cavalier D5. Donc là, j'ai vu qu'il y avait H4 qui était un coup très répertorié par la théorie. Bon, ça fait vraiment bizarre de jouer comme ça. On a un fou en D3. Le cavalier va devoir rejouer lui aussi une troisième fois. Et maintenant qu'on a fait H4, est-ce qu'on va faire petit roque? Sachant qu'on n'a pas bougé le moindre pièce ni même pion de toute l'aile dame en fait. Donc, on sent que c'est dangereux. En fait, la conclusion, c'est qu'il faut jouer très précisément avec les blancs pour tenir cette position. Et on est sur la défensive. Donc, si vous aimez les parties d'attaque, ben, c'est logique que vous jouiez cette ouverture avec les noirs, mais avec les blancs, c'est quand même bizarre. C'est plutôt si vous aimez les parties de défense. Voilà. Sinon, la position principale, c'est cavalier F3, fou D6, petit roque. Et juste quand on regarde cette position, on comprend que c'est très dangereux pour les blancs. Il y a beaucoup de possibilités noires. À un moment, on essaie de placer le coup E4 pour faire jouer le fou en attaque. Il y a des fous G4, il y a du F5 qui va venir en fait. Cavalier F4, on avait dit déjà. Donc c'est très très dangereux. Apparemment, selon la théorie, on peut obtenir un petit avantage blanc en jouant comme ça. Cavalier prend et fou B5. Voilà, faut trouver ça. Si on connaît cette variante, apparemment, on peut espérer un petit avantage. Voilà, ça c'est la ligne critique. Et ça conclut notre chapitre. Donc, bon, d'un point de vue pratique, les blancs ont leur pion de plus, mais j'ai l'impression que les noirs ont des compensations très intéressantes avec leur fort centre. Ils ont déjà relayé leur tour. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bah, je suis un peu désolé, c'était très théorique, hein. Donc, je sais que c'est parfois un peu aride pour certains d'entre vous. Aussi, il y a énormément de variants, donc je voulais un peu vous présenter de manière générale les possibilités principales. Donc n'hésitez pas à reprendre ça tranquillement, tranquillement avec la base. Voilà, de revoir la vidéo plus calmement, de vous-même analyser avec effectivement des camarades, analyser les variantes, vous poser des questions. Voilà, et j'ai l'impression que c'est une ouverture qui conviendrait tout à fait à Alpha 0 avec les noirs. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment, puis on va passer au dernier chapitre sur les forteresses. Je vais vous mettre le récap. Hop. Voilà. Donc souvent, les noirs sacrifient du matériel hein, pour avoir du jeu dans cette variante. Il n'y a que dans la variante cavalier prend D5 qui est fautive, où j'ai l'impression que les blancs peuvent vraiment avoir de l'attaque. Sinon, dans les autres variantes, c'est plutôt les noirs qui attaquent. Alors, donc, la position blanche correspondra plutôt bien aux joueurs qui veulent essayer d'apprendre beaucoup de théorie et qui aiment bien défendre. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer ça avec les blancs. Oui, j'ai joué Ouais. ça pendant plusieurs années avec les blancs, hein. J'ai pas dit, mais j'ai joué cavalier G5 pendant beaucoup d'années avec les blancs. Et j'ai fini par arrêter. Voilà. Tu ne vois pas très bien cette ouverture, hein. On n'a pas envie de jouer quand même, j'ai ça. Ben, en fait, si cette vidéo peut faire diminuer le nombre de joueurs qui jouent cavalier G5 en France, en fait, je pense que ce sera une bonne nouvelle pour les blancs. Voilà, donc oui, si vous voulez étudier des positions qui vont être. Bon, c'est formateur de jouer ça, on voit le déséquilibre un pion contre l'activité, hein. C'est formateur pour les deux côtés. Même si on dit souvent que c'est plus formateur de jouer l'attaque. Quand on commence les échecs. Mais ensuite, je vous conseille de vous tourner vers le coup D3, si vous voulez continuer à jouer la partie italienne, vers le coup D3 au quatrième coup, qui protège le pion et qui mène la partie vers des schémas classiques un peu de type italienne-espagnole. Voilà, où là, il y a beaucoup de stratégies. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire des retours par rapport à ça. Il y a beaucoup de variantes, j'en ai peut-être oublié, hein, quand on présente de la théorie. On s'expose toujours à voilà, oublier des variantes ou à faire des erreurs dans ce qu'on présente. Donc c'est possible que j'ai fait des erreurs aussi. N'hésitez pas à me les signaler si c'est le cas. Ça m'intéresse. Donc écrivez-nous à masterclass@ffechec.fr. Donc l'adresse, vous pouvez la retrouver bien sûr sur notre page spéciale de Masterclass. Allez, on enchaîne avec le dernier chapitre sur les forteresses. Alors c'est vrai que tout à l'heure, vous avez trouvé mes exercices
sur l'abandon prématuré. Mais là, je pense que Sylvain, il vous a bien cramé. En fait, on a fait une stratégie avec Marc. Ah oui, et puis il y a une belle partie de Kozintseva, enfin plutôt de Harika contre Kozintseva, sur cette variante vous et deux, vous pourrez trouver. Allez, c'est parti pour les forteresses. Donc je vais modifier le titre. Donc voilà, la forteresse, pour rappel, c'est donc une position dans laquelle l'adversaire a un avantage matériel, mais vous allez construire un dispositif défensif qui va empêcher l'adversaire de continuer, de profiter de son avantage et d'évoluer dans la position. Alors, il y a des forteresses qui sont assez connues, par exemple celle que Sylvain vous met, donc c'est une forteresse fou cavalier contre dame. Donc l'idée principale, c'est que la dame, elle ne peut pas mater toute seule. Il n'y a aucune pièce aux échecs qui peut mater toute seule. Donc si on avait l'association d'un fou et d'un cavalier, on aurait une pièce qui pourrait mater toute seule. Mais sinon, on a toujours besoin d'une collaboration. Et c'est vrai que là, la dame blanche, elle peut faire des échecs, mais sans... Si le roi blanc ne peut pas s'approcher... En fait, il faudrait qu'il réussisse à aider sa dame. Donc, il faudrait qu'il s'approche par exemple sur B6, mais le cavalier n'empêche. Voilà, donc là on a construit vraiment un mur de protection puisque le fou contrôle la case A6, le cavalier la case B6, le fou la case C6, le cavalier la case C7 et le fou la case C8. Donc le roi blanc ne peut pas passer, il y a un mur de protection et tout est bien protégé. Le roi noir défend le fou qui défend le cavalier. Donc Voilà, c'est donc une le forme. roi va pouvoir tranquillement choisir entre A7 et B7, et B8. Oui, alors l'ennemi des forteresses, c'est le zugzwang. Parce que si vous êtes en zugzwang, dans un dispositif de forteresse, vous allez devoir casser votre dispositif. Et Donc là, par le exemple roi sur noir. échec, roi là, dame là, on va faire roi A6, c'est ça? Je Ouais. pense. J'espère. En disant on est intouchable. Ouais, ça a l'air d'aller, non? Ouais, il n'y a pas Oui. dame B6, Y a pas heureusement. mat, y a pas mat, c'est ah, y a dame B8. Ah oui, là voilà, là c'est le zugzwang. Là on est en zugzwang. Donc, ça veut dire après, dame, Dame vous avez. F8, roi A7, dame D8, faut trouver un autre coup. Ah mais on peut bouger le fou. Bien sûr. On peut Et bouger si le la fou. dame fait un échec sur la septième rangée, on remet le fou. Voilà, parce qu'on a des coups droits, mais on a aussi éventuellement maintenant les allers-retours avec le fou. Et sur dame A5, roi B8. Voilà. Donc là, ça devrait rester en statu quo. L'ordinateur, il dit quoi? Il est très content d'annoncer 4,81, mais évidemment, il fait pas de progrès. Alors une Voilà. petite astuce lorsque vous avez un module d'ordinateur, si vous mettez une position sur plusieurs variantes avec exactement la même évaluation, par exemple, s'il vous met, comme là, il vous mettait à l'ordinateur 4,81 en faveur des blancs. Mais si vous lui mettez 2, 3, 4 variantes et qu'il vous met 4,81 à chaque fois, ça veut dire qu'il ne sait pas comment valoriser son avantage et que la position est une forteresse, match nul. Voilà, il tourne en rond. Voilà, il tourne en rond. Donc, et l'ordinateur a beaucoup de mal à comprendre les forteresses, en fait, les Oui, on matériaux. disait tout à l'heure qu'il avait du mal à comprendre la contre-attaque Traxler et les positions avec beaucoup de matériel sacrifié. Et il a encore plus de difficultés avec les forteresses. Mais effectivement, l'astuce que tu as donnée avec la même évaluation sur les trois premières variantes, par exemple, ou les cinq premières variantes, ça veut dire qu'il tourne complètement en rond, il ne sait pas comment progresser. Alors, on continue avec cette forteresse. Oui, alors celle-là, c'est la plus connue, je pense. C'est une des plus connues aussi, effectivement. Donc, avec le pion G7 qui va offrir 2 points d'appui à la tour. Donc, la tour va pouvoir osciller entre les cases F6 et H6. Ça, c'est intéressant parce que ça va empêcher le roi blanc de progresser. Le roi blanc sera bloqué à la cinquième rangée, il ne pourra jamais avancer. Pourra pas traverser, oui. Et la dame peut faire quelques échecs, mais le roi, il a aussi la case H7. Elle est toute seule encore une fois, ouais. Ouais. La Et dame seule, bah la dame seule a du mal à créer des vraies menaces. Hein. voilà. Donc, on ne peut pas progresser avec les blancs. Alors, à noter que ce dispositif défensif ne marche pas sur toutes les cases. Plus on s'approche du centre, plus on avance dans un tel dispositif, et plus on a des risques de défaite avec les noirs, parce que la dame blanche pourrait contourner vers l'arrière et obliger le roi noir à devoir sortir. En fait, tu veux dire si le pion descend, par exemple, c'est ça?
Alors voilà, alors je crois que si le pion est en G6 ou en G5, par exemple avec un pion en G5, une tour en On F4, un s'expose roi. à se faire craquer la forteresse, oui. Voilà, si on avait donc le pion en G5, le roi en G6 et la tour en F4, le danger c'est que la dame fasse un contournement et fasse des échecs ou mette en position d'exangle le roi noir pour l'obliger à, par exemple, se placer devant le pion. Si le roi noir se retrouve par exemple en G5, la tour pourra plus osciller entre les cases F5 et H5. Voilà, et déjà à partir de là, ça devient un petit peu dangereux, je crois. Je sais Voilà. plus si ça gagne ou pas. S'il y a des spécialistes dans le chat, n'hésitez pas à nous informer. Et puis par contre, effectivement, si jamais on descend encore un peu, comme ça, là, ce qui va se passer, c'est que la dame va essayer de passer derrière pour casser la forteresse. Alors ça reste très compliqué, hein, Oui. c'est pas accessible aux joueurs peu expérimentés ou aux débutants. Mais voilà, pour être sûr d'avoir la forteresse, il vaut mieux ne pas laisser d'espace derrière le roi pour pas subir un contournement, en fait. Voilà, et si on décale par la gauche, est-ce que ça change quelque chose? Eh bien, ça va augmenter les risques de défaite parce que ça va donner des cases à la dame pour Par essayer le côté, c'est ça? de contourner par le côté. D'accord, ok. Alors, sur le site, sur les forteresses, quand on regarde sur le site Wikipédia en anglais, on a un schéma, on pourra peut-être le donner en annexe, où on voit tous les positionnements, quand est-ce qu'ils sont gagnants et quand est-ce qu'ils sont match nul, sur tous les Ah, d'accord. positionnements de pion 3. J'allais donner une astuce justement pour que vous sachiez si ça gagne ou pas. Ben, vous pouvez taper Nalimov dans un moteur de recherche et il y a un site allemand, donc je crois que c'est .de, hein. Ça doit être Knowledge, quelque chose comme ça. Je crois que c'est K4Hit, K4Hit qui propose l'étape de finale. Donc vous pouvez mettre les positions des pièces que vous voulez et il vous dit tout de suite si ça gagne ou pas. Voilà. Mais effectivement, bon, la position n'est pas non plus hyper fréquente à obtenir, quoique cette forteresse est quand même l'une des plus fréquentes. Mais pour le joueur, voilà, qui n'est pas professionnel, se dire que moins on laisse d'espace vers l'arrière et moins on laisse d'espace au côté, et plus la forteresse a de chances de tenir. Et Voilà. même si on laisse un peu d'espace vers l'arrière ou vers le côté, pour que les blancs arrivent à faire craquer le dispositif défensif, C'est c'est très pas dur, facile. c'est très dur, Donc, ouais. compliquez la tâche de votre adversaire au maximum. Je voulais faire une petite remarque, on pouvait rajouter un pion en fait, et c'est aussi connu que par exemple si on met un pion comme ça change rien du tout, puisque bah, ça ne modifie pas la configuration défensive des noirs, en fait, la présence du pion change rien, hein, même s'il avance, ça change Alors rien. et si tu as un pion à la fois en F4 et à la fois en H4? Alors là, je ne sais pas. Est-ce que tu as la Je ne réponse? sais pas. Et ce qui serait, moi, j'ai pas l'impression, mais ce qui serait marrant, c'est par exemple si on a des pions doublés F4, F3, H4, Tu H4, veux mettre cette position, par exemple? H3. Ouais. Ah bah c'est bien, on va gagner la dame. Ah mais non, on perdrait la partie. Donc, est-ce que ça gagne? C'est une question très intéressante, quoi. Si ça se trouve, c'est nul. Non, mais le danger, c'est que la dame se sacrifie contre la tour. Ah oui, non, mais C'est c'est ça tout le problème. ça le danger Et alors, par contre, ça, c'est peut-être plus intéressant déjà. Bon, on s'expose au même risque, en fait. Hein. J'ai Alors, sacrifié la Emmanuel dame, Rigard nous mais... demande quel est le lien de 4x8, qu'il n'a pas bien Ouais, compris. en fait, si vous tapez Nalimov dans un moteur de recherche, vous allez tomber tout de suite dessus. Et vous allez voir que le lien, c'est un K, un 4, IT.DE, normalement. Je vais... Si vous tapez Nalimov, normalement. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, Mais peut-être le cela coup. dit, faut encore atteindre après l'étape de finale parce qu'il y a plusieurs trucs sur ce site. Donc le plus simple, je crois que c'est de taper Nalimov. Ouais, Ça, bon, ils vont sinon j'ai chercher. trouvé le lien, donc je vais vous le donner. Trop tard. Ah, t'as été plus rapide. Parfait. Voilà, Marc a donné le lien. Donc oui, effectivement, on ne peut pas rajouter trop de pions, sinon la dame risque de se sacrifier sur la tour et gagner la finale de pions. Donc ça, c'est, je pense, c'est à peu près sûr et certain que c'est nul. D'ailleurs, on peut vérifier dans Nalimov. Mais par contre, si on commence à rajouter d'autres pions, eh bien sûr, c'est plus pareil. Donc on va revenir. Alors par contre, j'espère que ça va le faire. On est sur Korchnoï. Donc est-ce que... Oups. Alors... Ah mince alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je vais devoir redimensionner. C'était pas prévu.
Ah, vous le rentrez dans des parenthèses. Et voilà le résultat. En bas. Même en fait. Ah, voilà, Sylvain qui reconfigure un petit peu. Désolé pour ce problème technique. Voilà. Et là. Ouais, pas de chance. M'occuper de ça aussi. Alors que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. C'est toujours Exact. appréciable. On peut aussi laisser des commentaires. Alors, si jamais vous êtes prévenu des prochaines vidéos, vous avez aussi la cloche qui est présente en bas à droite de la vidéo, en dessous de la vidéo. Voilà, alors là par contre, il faut juste. Ok, on se remet un peu dans le bon sens de la marche. Donc cette partie. Ah, c'est moi qui fais n'importe quoi, c'est ça. Donc en tout cas, cette partie entre Valérie Saloff et Victor Korchnoï, on la prend au 48, au 45e coup. Ok. Donc, il y a eu tour prend F5. Les noirs font tour G1 échec, roi H2 E2. Donc, ils vont faire une promotion. Et là, les blancs donc laissent faire dame et jouent cette finale, qui est extrêmement proche de celle qu'on a vue avant. Voilà, donc c'est une partie entre deux très forts grands maîtres de l'époque. Et Victor Korchnoï, qui est un combattant devant l'éternel, Ouais. eh bien, il a tout fait pour essayer de gagner cette position. Il a joué, je ne sais plus, une trentaine de coups encore, mais il n'y est jamais parvenu, en fait. Donc, on a cette idée de forteresse avec les deux cases d'ancrage pour la tour en H5 et en F5. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les pions F5 et H5 sont bloqués mécaniquement par la tour et le pion G4. On s'aperçoit que le petit espace laissé à l'arrière par la dame ne sera pas suffisant ici pour. Oui, Alors, il a tout essayé, hein, Victor il a tout Korchnoï. tenté. Il a tout tenté, mais la position était nulle. Alors. Et son roi n'arrive pas à franchir la cinquième rangée, donc c'est un problème. Ouais. Bon, effectivement, il a joué une trentaine de coups. Merci, monsieur Daffy. Hop, allez, on continue. On se rapproche de 21h. Donc, nouvelle forteresse. Oui, alors c'est assez proche en fait. C'est pas le donc les points d'appui pour la tour vont être assurés par le cavalier. Donc on a le cavalier E7 qui va contrôler les cases C6 et G6. Alors c'est et ça va rendre la sixième rangée totalement infranchissable pour le roi et pour les pions blancs. Donc le roi noir pour rester en soutien du cavalier sur la huitième rangée. Il n'y a pas d'espace de contournement pour la dame. Et voilà, la tour va osciller entre les cases G6 et C6. Voilà, alors faut faire attention de ne pas se faire sacrifier, bien sûr, dans les mauvaises circonstances. Par exemple, sur Dame 4, bon, faut pas qu'on s'amuse à faire ça, sinon, hop, on est sacrifié, et là, il n'y a plus de forteresse. Mais on a juste à faire un petit coup de roi. Et voilà, maintenant, si il essaye d'avancer, son sacrifice ne fonctionne plus. Ça fait un match nul. Alors, cette position, je pense qu'elle est arrivée dans une partie. Est-ce que tu as la partie ici là-bas? Ah, non. C'est la suivante, peut-être. Oui, c'est la suivante. Donc là, Schneider, Zimmermann. Alors là, il y a eu des passes tactiques. Ah oui, alors voilà, en fait, les Noirs ont sacrifié. Bah là, sinon, ils étaient mat, donc ils étaient obligés de sacrifier la dame. Et ils sont arrivés là. Voilà, et ils vont construire, donc on voit qu'ils peuvent essayer de construire un barrage sur la sixième rangée. Donc ils vont réorganiser un peu leurs forces. Donc tout Le est but. protégé dans leur position là. Voilà, le but va être de transférer le cavalier en F7 pour que le cavalier en F7 puisse, voilà, contrôler les cases H6 et D6 et donner le deux points d'appui à la tour.
Et puis la tour H6, ça défend le pion H6 sur la sixième rangée. Donc si le pion B avance, il sera simplement échangé. Et on arrivera donc comme ça dans la même idée. Alors, est-ce qu'il avait vraiment besoin de mettre son cavalier sur F7? Donc, disons, c'est le plus sûr, quoi. Alors ce qui est amusant dans cette partie, comme quoi il faut toujours combattre, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'abandon précoce, c'est que les Noirs ont même fini par gagner. Parce que le virage sur la sixième rangée est infranchissable, mais les Noirs, ils vont tout faire pour gagner, et 25 coups plus tard, ils vont commettre une gaffe, certainement agacés par la défense opiniâtre des Noirs. Donc on peut mettre la position au 87e coup noir, et c'est là que les Blancs vont commettre une erreur tragicomique. Donc évidemment, comme c'est des finales, il y a beaucoup de coups ici, voilà. Et donc là, les Blancs joue l'erreur de jouer roi C4. Et bien sûr, tout le monde aura vu la fourchette terrible. Alors, Fourchette royale il faut dire que pendant 30 coups, les Blancs, ils ont essayé tous les positionnements de pièces pour essayer casser la muraille, de casser la forteresse. Et ouais. donc, ils sont même plus vigilants, en fait, qu'ils peuvent perdre, en fait. Ouais. Oui, il faut toujours faire attention. Voilà, quand on joue pour la victoire, pensez quand même qu'il reste que des risques. Donc c'était joué dans un tournoi de First Saturday à Budapest apparemment. Voilà, Alors en 80. j'imagine la tête du joueur avec les blancs quand il prend la fourchette en E5. Ah oui, Ah ouais. c'est pas possible. En plus, il était mieux classé là, il essayait de gagner depuis tout à l'heure. Voilà. Voilà. Allez, on se rapproche de la fin de cette masterclass. Donc encore Oui. quelques exemples. Donc Alors là, vous pouvez essayer de trouver le coup en fait, hein. voilà, à vous de jouer. Donc les noirs doivent sauver la partie avec une qualité sèche de moins. Et le coup est, enfin, je veux dire, là, c'est un exercice qui n'est pas évident, quand même. Ouais, et c'est déjà plus dur. Alors non, on n'a pas encore les thèmes des futures masterclass. On se repose la question tous les mois avec Marc. Donc parfois au gré de l'actualité, comme les parties d'Alpha Zero qui avaient été publiées au début du mois de décembre, ou le championnat du monde Carlsen-Caruana qui a eu lieu au mois de novembre. Ah oui, alors n'hésitez pas à cliquer sur les pouces, le pouce vers le haut qui est en dessous de la vidéo. Alors que Titus Glinus ne dit pas fou G7 en tout cas, et hop, derrière on a Et fou G7. il y a eu deux propositions de fou G7. Alors fou Non, G7, on va perdre très vite, non? Après tour B8, fou F8, roi F6. Donc on peut montrer ça. Là, on va finir en zouzang. On va perdre le fou parce qu'on devra bouger le roi au bout d'un moment. on va tout perdre. Ouais, et là c'est la fin. Donc ça va pas? Ah, c'est plus difficile là, hein? Donc d'abord, il faudrait identifier le risque, le plan de gain des blancs. Parce que effectivement, par exemple, tour B8, échec, roi G7, ça va faire un spécial. Donc les blancs, pour gagner, vont devoir utiliser leur pion. Et donc Alors que c'est la boîte, Laurent. ouais, Laurent a trouvé. Laurent qui est le H. seul à avoir trouvé. Donc si en fait si on joue par exemple on attend avec le fou comme fou D4 qui était proposé aussi. Le risque, c'est d'arriver à planter un pion blanc en H6. Voilà, Parce que il si va les essayer blancs arrivent d'avancer. à, voilà, si les blancs arrivent à planter un pion blanc en H6, une sorte de clou en H6, une sorte de pion en H6, eh bien, ça créera des risques de mat. Le Déjà, on pro aurait peut-être. Voilà, donc si on joue ça, on se prend ça. Et si on joue H6, bah malheureusement, le roi va venir sur G6. On va donner la KG6 au roi. Et ça devrait très mal se terminer, cette histoire. Je sais pas exactement comment, mais ça devrait perdre. Entre les menaces de mat et les menaces de gain du pion H6, Ouais, voilà. ben faudrait vérifier, mais c'est perdant. Et donc.
Pour éviter ça, il fallait jouer le fameux H5 pour éviter l'avancée d'un pion H. Et maintenant, on a une forteresse. Voilà. En fait, le roi blanc ne peut pas s'approcher du pion Donc on a G6. fait une muraille ici. Il ne peut pas venir. Si le roi blanc tente de passer par F4 pour accéder à la case G5, bah, il se prendra un échec du fou de case noire en D2, par exemple. Et Ou puis, peut-être fou F6 d'ailleurs, je suppose. le roi noir, il peut. Voilà, s'il prend un échec sur la 8e rangée, il accède à la 7e rangée. Donc, il n'y a plus Ah, les de. blancs n'ont rien à faire, ils peuvent essayer peut-être ça, mais en fait, il se passe rien du tout, quoi. Voilà. Une forteresse. Forteresse avec une qualité sèche de moins, quand même. Dernière position pour aujourd'hui. Alors ça, c'est une position que j'aime bien donner aussi à mes élèves. Elle est assez spectaculaire. Ouais, c'est une des plus spectaculaires. Je sais pas si, combien il en reste après, en fait, j'ai pas la visibilité ici. Ah, il en restait deux. Bon. Mais Enfin, il y vous en a aurez une les. qui sera donnée en exercice, si vous voulez. Voilà, vous aurez un exercice. Donc on va finir avec ce très joli exemple. C'est vrai qu'il m'avait beaucoup frappé aussi quand je l'avais découvert. Donc c'est les blancs jouent et font nul. Donc sachant qu'ils sont mal parce que les noirs ont la colonne et ils menacent l'infiltration tour H2 avec le gain du pion F qui aboutirait à une finale gagnante, même si bien sûr c'est encore technique. Donc dernière question pour vous pour aujourd'hui, pour cette masterclass, dernier exemple. Donc comment les blancs peuvent-ils sauver cette partie? Bon, niveau difficile, hein. Voilà, dans mon apprentissage, c'était le maître Cid Fabrice Moratini qui m'avait D'accord. montré cette position. En fait, je suppose qu'elle est dans le livre de Karpov et Geek, qui s'appelle. Comment il s'appelle ce livre? Ça doit être dans plusieurs livres, s'il Les l'a. échecs à l'infini. Oui, et après, bien sûr, ça a été repris, mais c'est sans doute un des tout premiers livres. Je l'ai dans Enfin. le Polgar Endgame. D'accord. Bon, mais le Karpov Geek, il est assez ancien. Je sais pas l'année. Et surtout, il était énormément lu, en fait. Alors, on a une réponse excellente. Waouh, bravo. Bravo, monsieur Baffy. C'est bien roi D1. Alors, quelle peut bien être l'idée du roi D1? Elle est C'est de bien cachée, hein. pouvoir. Oui, elle est bien cassée. On va abandonner le fou G2, mais pour pouvoir repousser la tour. Donc, roi Donc A1. le coup incroyable, c'est roi E1, donc était l'idée. On sacrifie le fou, bon, on se dit quand même. Complètement inattendu puisqu'on a un fou contre une tour, on donne le fou. Donc on joue avec une tour de moins. On repousse la tour Roi G1. de chez nous. Allez. Et puis maintenant le coup qui complète la formation de la forteresse, c'est F3. Voilà, et là les ordinateurs comprennent plus rien. Là, si vous mettez cette position sur un ordinateur en lui demandant trois lignes d'évaluation, il va donner exactement la même évaluation. Il va donner par exemple 3,85 ou 4 points pour les noirs. Mais il va donner exactement la même évaluation pour tous les coups noirs. Ça veut dire qu'il ne trouve pas de chemin de gain. Il considère qu'il a un avantage matériel, mais il ne voit pas comment gagner. Et effectivement, ici, on ne peut pas gagner tout simplement parce que les pièces noires ne peuvent pas évoluer. On va avoir donc le duo de pions F3-G3 qui va empêcher le roi de passer. Et lorsque la tour noire va se présenter pour rentrer sur la colonne E, le roi blanc viendra en F2 pour contrôler les cases de la colonne E. Et si la tour retourne après sur la colonne H, alors le roi blanc reviendra en G2. Enfin, si les noirs jouent A5 et qu'ils essayent de percer à l'aile dame, eh bien, on a le duo de pions tampons. Alors, qu'est-ce que c'est que le duo de pions tampons? C'est un duo de pions capable de bloquer la situation. Si les noirs jouent A4, on joue B4. Et si les noirs jouent B4, eh bien, on joue A4. Donc, l'aile dame ne peut pas s'ouvrir, le centre est fermé, la colonne E et la colonne H peuvent être contrôlées par le roi blanc. Et le roi noir n'a pas de case d'infiltration. C'est donc match nul malgré la tour de plus pour les noirs. Voilà, le roi peut ni passer à l'aile roi ni à l'aile dame. Et puis, bon, bah, faudrait qu'il tente à un moment un sacrifice de tour E4, mais ça passe pas non plus, en fait, hein. Roi F5, roi F1. Tour E4, ce serait. Bien sûr, faut calculer ce type de coup, mais en vérité, maintenant, il va juste avoir une finale
de pion perdante, puisque les blancs ont pion passé. Ici, très dangereux. Alors j'aimerais quand même montrer la dernière position rapidement, si Oui, c'est d'accord. possible, de Arkash contre Laszlo Azay. Ok. Arkash, donc bien Celle-ci, sûr. après Dame Voilà. B2. Voilà, après Dame B2, eh bien les blancs vont tout miser sur la percée B6 à l'aide dame. Alors les noirs ont un mauvais fou et les blancs vont essayer de jouer avec le tandem dame cavalier sur les cases blanches. Ils essayent d'ouvrir l'aide dame puisque la situation est très bloquée. Et donc vous devez trouver le coup noir. Donc les noirs jouent et font nul. Voilà, les noirs jouent et font nul. C'était joué en 70. Entre Archak Petrosian, qui je crois maintenant est un entraîneur célèbre, et Laszlo Azay, qui a fait énormément d'analyses. Ouais, je pense que c'est un entraîneur aussi. Ouais. Alors que Titus Blinus et Adrien Revel, échiquier castré, notre trio de tête, propose le bon coup, Ah, dame bien B6. joué, bien joué. Ils ont trouvé l'idée. Donc c'est vrai qu'on est dans le thème de la forteresse, c'est un peu plus facile. Mais il y a encore une chose à trouver. Ouais. Donc on sacrifie la dame. Donc spectaculaire défense des noirs. On sacrifie la dame pour essayer de faire ben, une forteresse. Donc c'est vrai que la forteresse ultime, c'est d'avoir les 8 pions qui forment une ligne infranchissable. Et même la dame n'arrive pas à franchir. Donc il y a encore quelque chose à faire. Faut faire attention parce que les blancs font H4. Avec l'idée de passer la dame par H3 et de s'infiltrer. Oui, d'ailleurs, je voulais conclure l'exemple précédent en disant qu'aux échecs, pour gagner la partie, il fallait réussir à s'infiltrer chez l'adversaire. Et la tour, dans l'exemple précédent, n'arrivait pas à s'infiltrer. Et du coup, malgré une tour de plus, on n'arrivait pas à gagner car ni la tour ni le roi n'arrivaient à s'infiltrer. Et là encore, on a eu un thème d'infiltration. Si la dame s'infiltre, évidemment, c'est fini. Mais les noirs, après pion prend dame D2. Pourquoi dame D2? Je ne sais pas, ça peut être dame B1 plutôt. Enfin, c'est la même idée. Ça arrivera Ouais. peut-être. Et en tout cas, dans les deux cas, on va jouer ce coup terrible de H3 qui va bloquer la position. Voilà, même Donc, sur Dame B1, on avait H3. voilà, c'est ça. Donc on veut en fait B1. obstruer la case H3. Hop. Et après, puis on prend H3, on joue H4. Et Et là, voilà, c'est fini. on a tout plombé. C'est terminé. Voilà, c'est bloqué. Donc très important H3. Et puis, s'il fait dame H1. Eh bien, on bloque. H2. Et on a Voilà. même des temps de réserve avec les noirs. Ouais. Les On noirs le vont-ils cache jouer pas. pour le gain? On va voir. Voilà, donc forteresse complètement nulle. Donc ce qui conclut ce chapitre et cette masterclass. Donc on espère que ça vous a plu. On a essayé avec Marc de vous présenter du matériel varié, du matériel original. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours par rapport à ça. Donc le récap quand même pour finir. Récap de forteresse, hop, voilà, pour bien terminer. Récap de la forteresse. Donc, bah Marc, tu l'avais souligné, donc c'est quand un camp est en infériorité matérielle, parfois même en grande infériorité matérielle, puisqu'on avait plusieurs positions, on avait une dame de moins. Et donc, on érige des remparts pour bloquer l'adversaire. Donc, le thème de l'infiltration, on aurait pu aussi citer le mot infiltration dans ce récap. Alors, on ne l'a pas vu là, mais il peut y avoir un thème de patte hein, qui peut être également présent, c'est-à-dire que le Voilà, roi ça peut noir peut arriver. s'approcher, mais s'il s'approche, ça fait patte. Donc Voilà. là, l'adversaire ne pouvait pas approcher, mais parfois, on a la position où l'adversaire peut approcher, mais provoque le patte. Exact. Et donc, lorsqu'on construit une forteresse, il faut s'assurer de disposer de coups d'attente pour éviter de subir un zigzag fatal. C'est ce qu'on a vu dans la première position tu essayais de mettre en difficulté Avec la la dame contre le fou et le cavalier. Voilà. Exact. Donc le Zugzang est l'ennemi de la forteresse. On peut dire. Voilà. Merci à vous. Donc bien sûr, comme d'habitude, la base PGN sera en ligne sur la page FFE des masterclass, ainsi que la vidéo en replay, donc le lien pour revoir la vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, les exercices, donc trois exercices en rapport avec cette masterclass. Et puis donc, en bonus spécial, vous aurez les bases de Thierry Blin qui a donc tapé les paroles que Marc et moi avons prononcées pendant les trois premières masterclass dans la base PGN. Donc ce sera un PGN supplémentaire, un PGN spécial. Donc on remercie beaucoup Thierry pour son travail colossal par rapport à ça. Et Et tous avec les des autres. exemples bonus en plus qu'il a cherchés. Sont parfois vraiment très bien choisis. Donc on essaiera de mettre tout ça en ligne ce week-end.
Voilà. pour la prochaine masterclass. Exact, donc la date pour le dernier écran, c'est la prochaine date, donc Donc une date plus proche, hein, ouais. du 8 février. Donc On essayait de faire vers la moitié de chaque mois, mais là on a avancé par rapport aux vacances scolaires qui peuvent arriver en février. voilà, pour être sûr qu'on ne tombe pas sur une zone où des clubs participants seraient fermés pour cause de vacances scolaires. Ce sera dans 3 semaines, donc le vendredi 8 février à 19h, comme à l'habitude. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à l'échiquier briochin, très enthousiaste et qui propose un thème pour la prochaine fois, éventuellement des Gambies. Oui, alors Donc. on a vu les Gambies, puis on a eu un autre thème proposé aussi qui était la création et donc de faiblesses dans le milieu de jeu et cibler des faiblesses, voilà, qui peuvent avoir lieu. C'est prometteur. Donc, si jamais vous avez des idées alors que JMC demandait comment dans cette partie les joueurs avaient échangé les tours, c'est une question subsidiaire. Mais faut retrouver la partie de Archak Petrosian contre Laszlo Azay. La partie elle est complète, donc vous pourrez la revoir. Et donc oui, on vous donne rendez-vous au mois de février pour la prochaine masterclass. Donc tout sera en ligne très prochainement sur le site de la FFE. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse masterclass@ffechec. .fr. Marc, merci. Merci Salvin, merci à tous les internautes. Merci à tous, bonne soirée, bon week-end à tous. Au revoir. Salut.